OK. Merci et bonsoir tout le monde et merci encore pour patience nous. Jeanne pour mettre lien après commencer avec rencontre là. Je dis à nous gagner Jeanne t'a annoncé, nous gagne plaisir pour nous accueillir deux co-auteurs de ouvrage Adieu l'école injuste. On a parlé de docteur Pierre Lubin. Et n'a parlé de Dr. Roselot François. Dr. Pierre Lubin, son éducateur qui expérimenté, il enseigne à l'Université McGill, dans le département d'études intégrées. Et après une carrière qu'il a fait en corps marine aux États-Unis, il fait un baccalauréat en psychologie à l'Université New York. Il fait une maîtrise en développement curriculum, en développement éducation internationale, excusez, avec une spécialisation en curriculum et enseignement. L'Université Columbia. Ils font l'autre maîtrise en éducation comparative avec une spécialisation en psychologie organisationnelle, toujours dans l'Université Columbia. Et ils font doctorat dans l'étude éducationnelle dans l'Université McGill. Docteur Lubin gagne une spécialisation et une certification en éducation spéciale et en administration et supervision scolaire. Li gagnent et une vingtaine d'années d'expérience dans l'enseignement préscolaire, maternel, primaire, secondaire et universitaire. Donc, c'est ça pour docteur Pierre Mondestin Lubin. Docteur Roselot François, son spécialiste en éducation, après qu'il ait pris un diplôme, il prend licence en sciences éducation en Haïti, dans l'Université Adventiste d'Haïti. Il joue une maîtrise en sciences de l'éducation, spécialisation en administration scolaire, dans l'Université Montemorelos, au Mexique. Ensuite, il fait une maîtrise en leadership éducatif. Et il fait un doctorat en études éducationnelles dans le département études intégrées de l'éducation de l'Université McGill au Canada. Docteur François Tou gagne une vingtaine d'années d'expérience dans l'enseignement primaire, secondaire, supérieur et en tant qu'enseignant, formation de formateur, doyen de faculté, chef de projet éducatif et auteur dans le champ littérature de jeunesse, conférencier, chercheur et consultant. Ces privilèges que nous gagnons pour nous gagner deux, Monsieur Sayo, qui fait publier un ouvrage. Adieu l'école injuste. Comment aider votre enfant à réussir dans un système scolaire structuré pour son échec? Et Jean nous connaît ni et livrant adressé crise qui gagne que Timounouyo a fait face à elle dans système scolaire qui pas concevoir pour yo. Jean titre livre là bien indiqué. Et nous-mêmes nous prenons ça à cœur, nous mettez pour partager l'information avec nous. Parce que pas de pays sans monde, pas de monde sous pas qu'à rêver, sous pas qu'à projeter, pas de avenir sans relève, et relève après ton rêve si tu monde qui peut assurer relève, pas éduqué, pas formé. Nous avons une première partie d'interaction avec deux docteurs sous Livlan. Nous avons essayé d'aller sous un pile aspect. L'en livre là, ça cap ouvrir espace là, ben nous-mêmes, comme d'habitude, pour interagir avec vous après série de questions, ça échange avec nous pour assurer que nous pouvons lire le livre là, pour nous capables plus ou moins bien et partager maximum d'informations et pourquoi pas, pita, et jouer le livre là mieux que possible à partir de informations que nous avons partagées là. Avant même que nous commencions, et nous avons dit merci à Dr. Lubin et merci à Dr. François. Et comme introduction sous question, sous série San Bralfea, Nabdio, Adieu l'école injuste, pour qui ça un titre livre comme ça, quand l'idée livre ça a sorti. Messieurs, bonsoir. Où soumio Dr. Oslo? En bas, donc, yes, OK. parfait. Yeah. Donc, oui, donc,
Alors, faut me dire bien que les moins rencontrer docteur Justice McGill, nous t'ai rencontré la faculté d'éducation. Hein? Et puis en tant que deux haïtiens, parce que l'époque ça la faculté si m'a appelé non, c'est donc deux comme haïtiens que tu gagné. Ouais. Et là nous plus que deux haïtiens de ton côté, donc rapidement nous parler et nous appeler monsieur docteur Bowen. Bronwen Lowe qui facilite même si nous haïtiens là, donc nous rencontrer et puis nous commence à parler. Docteur, c'est ce qui t'aime parler, nous parler d'éducation et puis tout de suite nous parler, donc nous connecter parce que nous sommes rendus compte comme si que bon l'autre haïtien qui ouais éducation qui sa éducation est même bien avec nous. Et puis nous commençons à échanger, parler, et puis nous venons nous rendons compte que nous sommes deux pédagogues critiques et qui croient que l'éducation c'est plus gros force qui gagne. Hein? Donc, nous décidons de marcher ensemble. Maintenant, l'idée de Livre l'Avenir, c'est justement l'ensemble d'activités que nous avons gagné. Et puis, Dr. Justice Vini, en tant que humain qui a une expérience en nord-américaine, dans l'éducation et l'enseignement, et nous avons prononcé une conférence sur l'éducation à Montréal. Et puis après conférence là, et puis compte tenu de feedback, quelques parents qui étaient là et l'autre qui était là, donc je te vois, c'est ton gros bagage, ça me t'a dit. Et tout de suite, nous avons dit que, eh bien, PowerPoint ça, il faut nous faire un livre avec. Donc, nous décidons et puis nous commençons le travail sur PowerPoint là. Et puis tout ça que nous avons fait, et puis nous avons enregistré, nous avons TPO, et puis. Bon, docteur ici se mettait idée dans tête, il est en tête, nous recordons, nous enregistrons. Et puis moi-même, il y a mal fait recherche, l'autre source pour nous pour compléter. C'est comme ça que nous avons commencé à écrire le livre là, donc, le livre là écrit, alors, on a pas que tout le monde nous est là. Page de remerciement livre ça c'est des monde tout comme si avec idée avec discussion que vous faites questions posées bah ça contribuer là rendre projet à vin complet vin censé vin presque parfait et finalement livre là il a couché comme de bien avec en pire difficulté et justement nous pas prêter sous phase nous pas prêter sous phase difficulté parce que nous avons fait une vidéo sur ça et on dirait que ou penser que son livre que parce que ça vient son livre que yo pas vle haïtien yo pas vle moun noir ta livre ça parce que en pile là moun qui li livre là yo que son bombe livre ça tellement que son bombe une bombe dans sens positif qui a fait changement qui a changé communauté donc c'est ça maintenant pour qui ça fait nous écrire ça. Je pense que en tant que docteur Lubien avec moi et puis avec toute l'équipe là, équipe MMPA, nous c'est des monde qui souscrit à l'idéal de sa lumière. Et en tant que tel, nous c'est des humanistes dans le sens africain, humanistes africains. Et dans le sens humaniste africain, avait dit nous entrer dans la communauté, nous dans la communauté. Et c'est comme si nous que la communauté allait on a souffri, c'est tout qui souffre. Tout a souffri, c'est une qui souffre. Donc, puisque là nous remarquons comme c'est la communauté a grand pile plein, grand pile souffrance, la caille en pile famille, et nous voyons comme si que en pile douleur. Donc, nous ne pouvons pas être indifférents. Donc, ça fait que nous obligés font bagaille. Et je pense que docteur Justice lui-même qui sait en sens ça, qui sait. Qui fait un peu d'expérience dans l'enseignement nord-américain. Donc, il connaît qui j'en bats à yoye. Et l'homme se dit, il a fait statistique, il dit, regardez pour eux. Vous voyez que dans tout ça qui est bon, qui est socialement bon, le monde noir est censé être dernier là-dedans. Et tout ça qui est socialement pas bon, il est premier là-dedans. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, il montre prison
ou après comme si que par exemple États-Unis ouais comme si gain à peu près 13% ou la population bien ouais et 13% ou après que grande majorité monde qui en prison c'est des noirs donc nous premier là-dedans et même là tout pour en décrochage scolaire tout ou après que nous censé nous vini premier monde qui décrocher plus et là nous vire dans Canada c'est même pas là nous tout c'est nous même qui premier dans tout ça qui pas bon et dernier dans tout ça qui bon et là regardez dans le monde là encore en général nous regardez dans le monde là parce que c'est surtout pays noir yo bien sûr qui était colonisé donc c'est eux même qui censé derrière caminette là donc qui en retard donc tout ça fait que nous ça va nous ça motive davantage pour nous essayer de trouver une solution à problème communauté à problème race pour nous. Donc et là regardez toutes statistiques yo et bien ça motive nous ça fait que nous dit que faut que nous font bagaille et ça fait nous dit que n'a pas écrit livre ça parce que nous connaissons nous-mêmes nous connaissons histoire nous et là nous passons dans le système scolaire ça en Haïti et même aux États-Unis nous ouais comme si que nous avons toute lacune toute faiblesse que nous gagnons nous conscients de problème nous et nous essayons de travailler à tête nous tout pour nous essayer d'améliorer nous donc nous dit que même expérience ça que nous faisons nous t'aimer que tout le monde nous apparaît nous fait expérience à tout l'expérience côté pour alors on nous dit à nous le concept là décoloniser tête donc pour nous libérer tête nous libérer l'esprit nous pour nous capable de servir communauté dans plus bien communauté dans avancer parce que nous connaissons que nous connaissons histoire nous connaissons que nous c'est plus grand peuple qui gagne parce que regardez dans l'histoire nous Kemet l'ancien Égypte qui ça ça s'est pas réalisé regardez Imhotep comme si que regardez c'est le plus grand ouais donc de tous donc nous dit que eh bien nous pas c'est pas nous plus mal et nous chez qu'on ça fait ça qui fait que nous dans l'état ça nous dit que maintenant faut nous aider ces problèmes là et c'est ça qui fait nous commencer nous écrire livre là et maintenant livre ça licence c'est pour parents yo parents yo donc surtout alors famille yo parce que c'est là c'est base là c'est la famille yo qui nous a commencé à recevoir éducation donc très bien nous mettons en phase pour famille yo en dans livre là maintenant qui matériaux que nous utilisons pour écrire ça. Eh bien, matériaux que nous utilisons, livre ça, c'est ça que nous faisons de manière stratégique. Nous utilisons surtout une littérature que érudit, qui dans le système d'éducation, pas bon, ici, la même produit. On voit que dans le livre, nous citons un pile auteur blanc, quand même, qui écrit sous question ça, et puis nous utilisons la littérature ça, et bien, pour nous poser le livre là. Okay. Et, tant que par exemple, rapport au Conseil supérieur de l'éducation au Canada. OK? Ensuite, nous utilisons encore notre recherche, nouvelle recherche, dans 25 dernières années, ça a occupé l'éducation. Et tout le monde, ça a nous mettons avec expérience, 40 ans d'expérience que nous avons adopté la justice, nous cumulé. Et puis avec les données que nous collectons dans la famille, en plus plein dans la famille, expérience familiale, et puis avec observation participante que nous faisons en communauté, pour nous écrire le livre ça. Merci et définitivement. Merci docteur François. Par contre, si docteur Lubin ou bien on va ajouter ou bien vous voulez nous continuer. Ou soumis docteur Lubin. Ouais, moi quoi docteur François. Oh, désolé. OK. OK, ça va. Nous tendez. OK, très bien. Ouais. Moi quoi que docteur Roslo réellement bah nous vraiment y a une bonne idée qui ça qui t'est précipité livre ça et me croit que lui fait allusion à problème obstacle que nous rencontrer OK n'a metté livre ça d'ailleurs et un jour n'a prend opportunité pour nous partager avec ou même et l'autre monde aussi ni pour faire nous connaître qui qualité obstacle bâton yo maintenant ou nous et la claire et sans équivoque que son livre yo pas vle moun li surtout groupe qui oppressé yo pas vle livre ça d'ailleurs et grand pile de marche qui fait
pour liv sa li pal nan men moun ke l ta dwe al nan men yo. Et normalement si nous connaît et nous pas si moun piti instrument qui plus efficace, outil qui plus efficace qui pour créer égalité côté qui pour mettre bagay yo à niveau c'est éducation. Très bien. Paradoxalement, ces mêmes outils ça souvlent créer inéquité côté que pour ba yo mi o mi ba pour yon groupe a ferrailler et l'autre groupe la même li nan ténèbre. La déraillé, la marqué pas sous place, meilleur bagaille pour faire ça, outil pour utiliser, paradoxalement, c'est éducation. Parfait. C'est lui-même qui a créé opportunité, équité, mais c'est même lui-même, là, tout dans l'autre meilleur, qui a engendré une situation inéquitable. Donc, d'accord. C'est ça qui fait que nous connaissons, nous partons mon petit, et nous te connaissons que ça t'a bien joint nous, que d'un pile monde qui pas t'a voulu pour livre ça, li vulgariser. Information qui n'a livre ça, pour li vulgariser, pour que li n'a mis par un ordinaire avec enseignant, éducateur qui bienveillant. Donc, nous déconnons ça. Très bien. Et effectivement, et c'est un ouvrage, nous avons confirmé, qui charge d'informations et des informations qui sont très pertinentes. Et nous comprenons pourquoi ça s'est dérangé. Nous avons page 41 dans le livre-là, la scolarisation et la question contexte politique du système scolaire canadien. Et nous avons ça pour les amis qui avaient nous. Selon certains pédagogues critiques, dont Paulo Freire, Donaldo Macedo, Michael Apple, Peter McLaren, Joe Kinchelo, Shirley Stenberg, Paul Carr, Paul Aurelius et autres, éduquer est une action politique, ce qui signifie que l'éducation n'opère jamais dans le vide. Elle est toujours au service d'une certaine cause et est par conséquent dispensé dans un contexte politique, social et économique précis. Michael Apple précise que le processus d'enseignement et d'apprentissage n'est jamais une entreprise neutre. Que ce soit dans un système politique dit démocratique ou autocratique ou autre, il existe toujours un groupe d'acteurs puissants qui décide du type de savoir à véhiculer dans le système scolaire. Un deuxième aspect qui interpelle nous tous, et c'est autour de ça qu'on a surtout fait échange, nous l'en page 59, l'en bas page là. Tout système éducatif fonctionne à l'intérieur d'un système économique donné. De tous les systèmes fonctionnant à l'intérieur d'un pays, le système scolaire est le mieux placé pour combattre et réduire les inégalités sociales, c'est ce que nous disons, et docteur Lubin. Mais paradoxalement, il est aussi celui qui sert à les préserver, les alimenter entre différentes entités sociales. N'a fait même avec une courte, une grande phrase que nous jouons dans la page 80, dans la dernière partie, premier paragraphe là. Et c'est par nos frères qui dit, si l'enseignement dispensé ne libère pas l'individu, il doit forcément l'opprimer. Un petit peu pour bailler idée de qualité richesse qui gagne en dedans l'IPSA en termes de et aspect qui a dressé la question. Mais pour nous rentrer dans la question et dans le livre là lui-même, la série question nous pas l'échanger. La dénonciation pratique injuste que nous fait dans le système scolaire canadien, right? Nous utiliser histoire de petit cal comme illustration. Est-ce que nous avons un petit résumé rapide qui est capable d'ouvrir l'espace à d'autres questions pour les gens qui peuvent lire le livre? Si nous avons fait ça de manière succincte. L'histoire de Karl dans le livre.
OK. L'histoire de Petit Karl. Pour l'histoire et la vérité, moi connais Petit Karl très, 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 très bien. Donc, c'est un petit monde que, tant que tout petit monde qui a sorti dans la gaderie, qui pral rentré dans l'école pour la première fois. Donc, il est très zélé, en pile enthousiasme, et le pas attend, mais en même temps, tout son changement, et normalement, nous connaissons nomenclature, changement, c'est que il est toujours engendré des sentiments ambivalence et anxiété parce que ou pas qu'on est qui s'accale passé. Donc, dans le cas de Simon, il n'est pas unique dans le sens de ça et il n'est pas exempté de ça. Donc, Petit Karl, bref, il arrive à l'école là, mais parents ont choisi l'école ça pour lui parce que yo connaît, c'est une bonne école qui n'a un bon quartier. Mais dans l'école ça, Petit Karl, Petit Karl, va le trouver tête li que li c'est une ou deux trois graines ti moun noir dans bon l'école ça qui n'ont bon quartier, nous te ka di un quartier UP. Mais immédiatement Petit Karl paraît, yo gen tan identifié avec que trois lots si moun que nous te ka entre guillemets relé minorité racialisée, c'est-à-dire yo pas blanc. En bien c'est comme ça moun qui t'a organisé orientation premier jour ça les yo vertical avec trois lots si moun ça yo l'école l'a pas créé pour yo, yo rapidement approché parents Petit Karl, les que yo te fin font ti rencontre 20 minutes côté que yo te prend ti moun yo yo al gade yo et les yo retourné yo fait parents Petit Karl konnen OK en ben y a invité yo non l'autre rencontre parce que gon série de bagay que yo te observé et faut que yo prend bagay sa yo OK yo fait prévention parents yo OK pas de problème n'a copé y a collaborer parce que nan fin journée a yo vle ça qui a plus bon pour Petit Karl. En ben c'est comme ça après yo semaine avant l'école ouvrir encore yo voyé yon lettre by parents Petit Karl pour yo vin participer non rencontre. Et dans la rencontre ça, yo rencontré avec yon dame latina qui fait konnen que li son psycho-éducatrice et li invite yo vin chita non classe pour expliquer yo quelques bagay. Kote que yo kon dame sa qui s'est identifié tête li comme psycho-éducatrice, li commencé à fait parents yo konnen que dans observation li te trouvé Karl Petit Karl agité et donc la nécessaire pour que yo fonce des préventions avant ça dégénérer. Mais ça que le pat konnen li pat konnen an di que papa Petit Karl c'était yon administrateur dans l'école New York, ville de New York, qui spécialisé dans éducation spéciale et que yon grand université Canada recruté à cause que de spécialisation pour vinn faire yon doctorat avec recherche. Donc, dame nan pa konnen en face qui est-ce que lié. En ben c'est comme ça. Papa Petit Karl dit, OK madame, ou dit agité. OK, mais certainement nan profession là on connaît que mot qui amorphe, mot qui élusif,
tant pour agiter, nous éviter dans la profession là, li pas recommander pour utiliser mot ça yo parce que yo amor, yo abstrait. Donc est-ce que ou ka di exactement qui ça ou t'es observé petit cal a fait? Est-ce que par exemple, li t'es monté sous table, est-ce que t'a croqué dans yon lus, dans yon chandelier? Est-ce que t'es dit le chital tombé couri? Est-ce que t'es observé li bayon l'autre élève yon coup de poing ou bien coup de pied ou bien observé la boule à terre? Donc dis ça que ou t'es observé. Ambe, c'est comme ça? Dame nan répond oui, c'est ça. Oui, nous t'es observé la c'est ça que nous t'es observé tout son dire. Pounia, c'est alors papa petit cal dit ambe, ça veut dire que sous tes faits observation ça yo ou prend note sur ça. Il dit oh oui, bien sûr. Ambe, papa petit cal dit que ambe c'est la loi. N'importe ça que ou écrit sous petit moi faut que nous kawel, est-ce qu'on ka partager note ça yo avec nous? Ambe, c'est comme ça dame qui t'est identifié comme psycho éducatrice là li littéralement pow li couri sot nan chanm la et en face classe li te ya c'est bureau directeur l'école là li couri rentre dedans ferme porte là après 4 minutes li pa retourner mais c'est directeur l'école là qui retournait pour qu'on y a la demande de nous ça passé et c'est alors papa cal papa petit cal balion synopsis de ça qui passé et immédiatement lui mandé papa cal qui est-ce qu'on y est. C'est alors papa cal dévoilé statut et directeur littéralement mandé pardon excuse côté que li di papa cal avec maman nous pas besoin bay sa suite que tout bagay a réglé et que c'est pas faute li comme li fait ses premières années comme directeur li pas réellement imbu de injustice sociale sa yo mais pas de problème la prévue. Donc bref, si que papa petit cal avec maman petit cal qui spécialisait tout dans éducation spéciale qui gagnait expérience dans domaine pas moun que yo teye petit cal te tout condamné à l'âge de 5 ans. Il était tout condamné et ça c'est le cas pour une grande majorité si moun Canada bon États-Unis même c'est blier ça comme moi était un superviseur administrateur professeur dans système ça donc c'est pas parler c'est maman petite marée ceinture c'est rarement ou rentrer dans la caille yon haïtien aux États-Unis ou bien au Canada pour dire que pour pas dire que petit li gen problème l'école. Donc gagner yon système en place quel que soit on parle de Canada ou bien aux États-Unis qui la même qui la même pour faire si moun surtout si moun noir échoué et c'est parce que n'a parlé son système qui a fonctionné dans un contexte capitaliste et ça qui fait moteur capitaliste là marché c'est compétition et la compétition inhérent la compétition a bien yon pe, a bien perdant et a bien gagnant. Tout moun pa ka gagnant.
tout moun, everybody cannot be a winner. Tout moun pa ka ganyan. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est pas par coïncidence. Quel que soit système, et n'a élaboré plus sous ça, plus devant, c'est pas par coïncidence ou pral joine, quel que soit n'a parlé éducation en Haïti, ou bien États-Unis, ou bien Canada, li toujours à différentes vitesses. Parce que yon moun, yon pa vle yon atteint yon série de niveaux, parce que tout moun pa ka ganyan. Donc, ma prete là aussi, merci. Parce que plus devant, n'a élaboré sur ça. Définitivement, n'a pi, nou gan pile point pour toucher, donc n'a pas avancé avec lui. Et c'est justement la faveur de réponse qu'on m'a là. M'envie dit que le n'a pli livre là, la présentation livre là, nous préciser quand même que et des marchands les circonscrits dans la réalité multiculturelle Canada et avec tout système scolaire Canada. Cependant, le n'a fait analyse pour décortiquer problème en profondeur. C'est-à-dire que le n'a pli par exemple fondement historique l'école. Le n'a pli contexte politique social et économique ou livre là. Moi, ouais, que c'est réalité États-Unis n'a pas décrit. Moi, penché sur aspect ça pour me dire que nous avons pile moun là, parents ou grands-parents, n'importe ça, il y a bien besoin de connaissance ça, qui vivent aux États-Unis. Qui ça, un parent haïtien, qui a attendu ça et qui a lu le livre là, qui ça l'a espéré de ça, de livre là, pendant que la vive aux États-Unis? Surtout, si petit li a, pas un privilège petit cal pour gen des parents qui sophistiqués qui pour couvrir. OK, donc m'a commencé à répondre et après je que si ça correct. Et je pense que en effet Zamim Rossini système canadien, système américain, il est dans le contexte non américain. Et nous, on nous dit que dans le livre là, il dit Canada, États-Unis, c'est deux frères si à moi. Ouais, parce que c'est même deux oiseaux, même plumage. Et système scolaire de pays ça, c'est même type de monde qui formé. Par exemple, Canada, c'est des blancs caucasiens, franco-catholiques, anglo-protestants, qui te venu là, qui te venu derrière. Richesse, c'est de l'or, de matières premières, ouais, donc et épices, tout cas de fourrure, tout cas de bazaro, et puis là qui décimait monde qui était sous terre. Et maintenant l'air fin décimé même sous terre, yo décidé de prendre terre. Maintenant yo mettez un système l'école en place. OK? Même pas là tout pour États-Unis tout. C'était des blancs caucasiens anglo protestants qui te vini, nous devons même pas là tout, et puis qui met ton système en place. Nous devons dire tout ça, même pas là tout pour la canon en Haïti, tout en Haïti, c'était des franco-catholiques, des blanco-caucasiens, franco-catholiques, des missionnaires qui sont aussi côté que les Bretons, okay, qui vini sous Geoffroy, qui mettait le système, l'école haïtienne en place. Donc, tout le monde s'est venu côté. Système là, je mette son système en place avec une intention bien déterminée pour imposer ou pour dominer. Maintenant, qui sa parent est capable de dire ça? En États-Unis, on parle de qui est problème. Donc, en fait, l'IFSA, j'en dis là, même les qui l'ont contesté canadien, moi, c'est même pas à lui aller ici. Ça veut dire que l'IFSA, nous, surtout écrit, c'est parce que nous, avec les parents, yo, un petit peu. Surtout par un petit monde noir, haïtien, surtout, yo naïf. Yo fait l'école, yo trop confiance. Nous connaissons en Haïti, en pile monde sont en Haïti, c'est qu'on a été en Haïti. En Haïti, depuis chef, frère, chère, soeur, on va parler, c'est fini. Yo voyez team dans l'école, eh bien, professeur, ou bien, d'ailleurs, professeur a tout bien raison, chef, frère, a tout bien raison. Vous comprenez? Donc, yo, par une confiance aveugle. Donc, livre ça, ça c'est montrer par un non, pas comme ça. Ensuite, par an tout, yo gen sa l'ignorance, gen la connaissance que yo pa gagné.
pour capable comprendre les comprendre qui est bas fonctionner comprendre qui est timoyo apprendre comprendre qui est bas fait dans l'école là livre ça ba parents ça connaissance ça pour parents capable comprendre maintenant qui rôle qu'elle doit jouer dans l'éducation timoun li permettre que tu avais dit chaque parent qui livre ça ou ka venir expert dans l'éducation c'est ça fait livre là et puis le langage qui simple nous faire des bagages qui complexes nous rendre simple pour chaque parent qui lit livre là pour capable venir expert ça veut dire parent il gagne des outils pour capable affronter système là pour capable contourner tout piège qui est dans système là très bien okay? C'est ça en fait et bon effectivement parlant de outils justement et que nous baillons parents ou bien des points clés que nous révéler dans livre là pratiquement tout parent et même en pile parent qui éduqué on ta capable dit qui instruit le aller yo toujours gen yeux yo rivé sous curriculum sous programme de classe que timon yo gagne et y aurait mal regardé en détail curriculum non pour ouais ça gagne si yo intéressé et si yo gen capacité pour yo rentrer là-dedans voilà que l'en décortiquer système nan l'en déshabiller système n'a parlé de li hein, pour montrer et férocité li côté criminel qui la donne nous évoquer de préférence trois formes de curriculum que me trouvais qui intéressant qui c'est curriculum explicite implicite et nul dans même nous bon quelques caractéristiques et finalités chaque dans curriculum ça. OK. Donc comme docteur François te prend question première question, m'a prend ça. Et si que docteur François voulait ajouter parce l'a ajouté et me connaît son bagage que docteur François réellement spécialisé dans trois formes de curriculum que on a parlé yo. Et son bagage les l'a expliqué, l'y expliqué avec passion. Donc tu m'essayer mettre dans Paul pour moi si m'ka exhiber même passion tout dans explication que m'a offri nous. Donc ou gagne quel que soit l'école là. Même là que par exemple li ka quel que soit l'école là même indépendant de connaissances moun ki a fait l'école yo gagne yon curriculum explicite gagne un curriculum caché tacite et gagne un curriculum nul même là que yo pa ta connaît mais éducateur madré yo connaît bagay sa yo très bien donc on commence avec curriculum explicite là. C'est ça, c'est curriculum plan d'études que qui visible, qui formel, que tout le monde ouais, ok. Les petits cas rentrés dans la première année l'école, ils prennent étudier, ils prennent apprendre comment que pour l'additionner, yon chiffre, ils prennent apprendre voyelle, ils prennent apprendre le, la, déterminant, etc. Ça, li explicite tout le monde ka wèl, et souvent, c'est ça que yo présenté par un yo. Ok? Mais, genye et curriculum caché ya, implicite là, c'est pour qui raison que nous pral montrer petit cal additionné. Pour qui raison nous pral montrer quel que soit élève là fait mathématiques. Est-ce que nous pral montrer élève dans l'école ça fait mathématiques pour yo ka maîtriser côté que yo ka même utiliser pour faire des inventions avec ou bien nous pral montrer yo mathématiques non sens pour yo toujours jouer un rôle de subordination côté ou ka joine prend un contexte emploi Haïti nèg la ka bon toute qualité formule qui existait li bon li pa que
mais est-ce qu'elle a appliqué en dit pour le faire une série d'inventions, par exemple, voiture, calculer pression, pour le voyer fuser dans l'espace, etc. Donc, curriculum caché, c'est lui qu'on a utilisé pour faire un pile dommage parce que dans la fin de journée, il n'est pas explicite, il est implicite, mais c'est lui qui a vraie idée, vraie philosophie, vraie intention qui est derrière ça que vous dites que vous enseignez. Et ensuite, vous avez un curriculum nul. Ça, c'est une série d'informations qui omettent, que vous omettent intentionnellement, ou bien des fois, ce n'est pas intention, mais information, ça, yo très pertinent. Si élève la te connaît, li t'a fait une grande différence dans l'expérience la fait l'école là. Par exemple, les que dans l'école Canada, l'école États-Unis, l'école en Haïti, même en Haïti, que yo omet an di yo multigénie, tant que imhotep, qui c'est premier caractère que yo écrit de li dans l'histoire, et c'est premier multigénie monde l'a offri nous. Côté que nous jouons imhotep, lui c'était un médecin, lui était un architecte, lui était un philosophe, un homme d'État, pas excellent, mais pendant que il a enseigné de Hippocrate, que même Hippocrate lui ouait Imhotep comme Dieu, parce que tout grec, Dieu de la médecine, c'est Imhotep. Mais est-ce qu'on peut imaginer si que si mon noir là, l'aile dans l'école, li connaît que ses ancêtres li yon moun ki semblait avèl ki écrit premier traité premier dissertation nan mathématiques sa ke yo aprele the Rind mathematical papyrus papyrus de Rhin. Est-ce qu'on imagine ki effet sa t'a fait sou li? Est-ce qu'on imagine ki effet sa t'a fait sous yon ti moun noir, lesquels ta apprenne première dissertation qui écrit dans le domaine médecine, ça que après les Edwin Smith Papyrus, ou bien The Ebers Papyrus, que ces ancêtres qui t'ont écrit. Donc, c'est pas par coïncidence, dans le contexte en cours, Canada, États-Unis, même Haïti, yo omet information pertinente sa yo que si élève la vital. Si que yo c'est pas par coïncidence yo omet yo parce que si yo ta inclus yo ça li ta commencer mettez terrain à niveau. Côté que on dit noir là, l'étape qu'on est là à l'école, oh, mais mathématiques c'est pour moi tout. La science c'est pour moi, la médecine c'est pour moi. C'est pas basketball seulement, moi qu'on joue. C'est pas musique seulement, j'enseigne moi, yo te offri. Mais yo offri la médecine, mathématiques, astronomie, géologie et la prière. Donc, c'est ça que, en résumé, m'a dit que curriculum explicite là, tout le monde ka wèl, bel bagay, oh oui, si wo pral apprendre additionner, li pral apprendre faire algèbre, li pral apprendre comment que pou li fait belle phrase, belle paragraphe, très bien. Mais curriculum implicite là, c'est ça que yo pas dit que mes vraies raisons que nous pral enseigner ti wo bagay sa yo
et dans cas curriculum nul là intentionnellement n'a omettre une série des informations parce que si ti wo kon information sa yo a servi comme un tour de force l'a ka connecté avec yo et l'a wè que oui moi capable yes I can parce que zansèt mwen yo moun ki sanbe avèm fè bagay sa yo deja au contraire c'est yo inventé yo c'est pionnier yo que yo yé donc ça gen là que m pa ka faire ki sa sa te yé si bagay sa pou m pa ka faire donc ça pour m'ajouter un petit mot ça gen avoir estime de soi c'est ça qui fait une estime de soi maintenant on est voilà la panne gomba qui dit que ti bo pa wè a c'est lui crevé géo. Vous comprenez? Et ça fait le docteur Jésus, et ça fait le curriculum caché, ça dit, si vous n'avez pas le crevé géo. Donc, ça fait le curriculum, ça a vraiment de faire un pile de cas. La carrière, parce que si vous n'avez pas le crevé géo, c'est lui qui a le crevé géo. Très bien. Et quand même, pour faire pendant avec les réponses à que nous avons la question, ça, et nous décrit par exemple, et docteur Liberté fait exposer ça là, l'on râle le tapé pour nous sous forme raciste. Mais dans la forme que, en plus de, on dit que c'est racisme institutionnel, structurel, interpersonnel ou racisme intériorisé, n'a pas quitté trois premiers, n'a pas tout dernier qui c'est racisme intériorisé et que nous déclarer dans l'ouvrage là qui c'est forme qui est terrible, qui est dangereux de gagner dans quatre formes racistes. Est-ce que ça n'a pas une corrélation avec ça nous dit là pour tomber dans le racisme intériorisé? Oh, yeah, bien sûr, parce que en fait, parce que curriculum caché, par exemple, li Jean Expert Ferwell là, li dans tout compartiment d'école là. Ça veut dire que li entre dans tout domaine d'école là, que ce soit l'administration, que soit le tableau utilisé l'école là, que soit l'image utilisée, tout aspect récréation, tout compartiment d'école là l'entre dedans, tout aspect. Ensuite, et justement curriculum nous dans les mêmes qui c'est curriculum qui forge perspective ti moun là. Ouais. Donc c'est là surtout que ti moun n'a pas la intériorisé raciste là. Et moi parce que docteur Justice qu'on a des expressions ou des pour expliquer ça bien. Et une image que monsieur met dans le livre là, que monsieur met dans le livre là surtout, c'est image Dracula. Ouais. Ça fait depuis deux ans parce que ouais, il voit image Dracula, il voit que Dracula par exemple vampire là, son vampire. Les Dracula, par exemple, mordé yon moun. Eh bien, yon moun, yon humain. Puis yon la, humain vin tourner yon vampire tout. Et humain ça, pour al faire l'autre humain pareil yon, tourner vampire tout. Donc, humain ça, par le travail, pour il ka décimé, il ka anéanti, il ka exterminé race humaine. Eh bien, c'est ça, justement, c'est ça. Et là, c'est théorisé à l'élié. Et ça fait son racisme qui moun ou après c'est propre noir et propre noir par élite il va faire mal d'ailleurs le gars comment gars ouais ça bien ça que tu n'as dit ça certains d'ailleurs ça que noir ça noir ou parler noir pareil ou noir sont dangereux noir pareil tout en a dit ça c'est parce que c'est en pile le noir ça yo intériorisé racisme et on voit que et parfois yo va même conscient de ça et c'est là le danger ou pas même conscient que va faire semblable mal. Vous pouvez être conscient que vous avez fait, moi pareil, moi mal. Donc, ça fait, c'est lui-même qui est dangereux, parce que c'est lui-même qui contribue à la destruction même. Destruction, là, cela. Donc, parce que le système scolaire et éocentrique, là, Blanchelin, c'est ça le fait. Il y a des alliés. Il forme des alliés, il y a des alliés. Et justement, hégémonien, les appétits de l'hégémonie, expert, ouais, que hégémonien, monde qui est en position hégémonique, là, ça facilite pour dominer le monde, c'est consentement. Le monde qui domine, gagne. Le monde qui domine, participe à propre domination. Ouais? C'est ça. Le monde qui est intérieur, c'est ça le fait. Il participe à propre domination. Il crée condition pour dominer. Ouais? Donc, il facilite ça. Donc, c'est ça qu'on doit. Ça y est, consentement. Ouais? Et ça, comme si c'est fabrication consentement. Donc c'est ça justement tout bas ça curriculum caché à curriculum nul là fait ça et racisme intériorisé ça lié en fait. Et ça fait que nous dans le livre là c'est le même qui passe.
bien joué. Oui. Très bien. Et Sindeka a ajouté, c'est que li enrôlé victime là dans un combat contre trois têtes li. Li enrôlé victime là dans des activités qui diamétralement opposées bienveillance li. Et ensuite tout victime là li pas même essayé sorti dans situation parce que là ouais là intériorisé ça que yo dit de li a yo ah blanc dit moins inférieur donc moins inférieur donc moins pas besoin faire effort donc c'est ça qui fait que ouais on dit même moi-même moins fait lycée moins fait pratiquement toute l'école moins à New York, ville de New York, mais fait moi rentrer New York, l'aime te gen l'âge 7 ans. Et c'est là que moi fait l'école primaire, secondaire. Même songer l'aime te dans l'école secondaire, bien que moi était très avancé dans mathématiques, mathématiques vini très bien pour moi sans que me pas besoin faire trop effort, mais si m'ta jamais fait yon 69, yon 96 dans mathématiques, pour me cacher à permettre yon pour ne pas dire, au contraire, me dire c'est 69 que me fait. Parce que nous-mêmes, l'aime d'ab grandi, c'est que nous t'es intériorisé mathématiques, on dit pas pour ti moun noa. Au contraire, si m'ta fait permettre yon, zami m'connaît, que me fait 96. Sous 100 en mathématiques ou konn comment yo t'aprèlèm ah this kid is a white boy he's a nerd he's a white nerd monsieur son petit blanc que li parce que si moi pa gen droit fait 96 sous 100 donc moi même lèm konn fè note que ça moi caché yo moi pa di vrai note que me fait très bien bon. Et nous allons passer une partie assez intéressante quand même parce que nous exposer assez subtilité dans la question hein, outils de prédilection que système n'a gagné pour faire forfait. Qu'on y a nous allons rentrer dans la partie pour moi-même c'est quatrième chapitre livre là qui gagne la donne proposition de solution prescription que nous faisons qui pour moi-même c'est peut-être ça et que puis faut participer nous yo à étendre l'interaction que nous avons fait. M'ap pran yo et yon après l'autre n'importe qui gens on ka retourner dans premier a ou bien dans troisième non mais n'ap pran par exemple gen yon nan proposition que nous fait nous mande par exemple et nous recommander pour yo profiter de moi histoire moun noa pour nous partager réalisation moun noa fait et on a page 123 soit ap chercher et sous l'histoire moun noa. Une bonne question pour nous. Est-ce que nous pas penser faut goumé en ta mené tout contre question moi histoire moun noa. Pour qui ça on moi pour histoire moun noa. Est-ce que quelque part on telle démarche au lieu que pour nous profiter de lui pour nous passer certaines informations mais au moins est-ce que le pas pi bon pour nous marcher colté avec comme un bagage qui pas fait sens, est-ce que ne pas penser que la brité quelque part curriculum caché ça curriculum nul ça que n'a pas parlé là son démarche quand même qui très pernicieuse comme bagage la donne pour qui ça un mois pour histoire mon noir en plus que pour un petit peu sarcastique c'est moi qui coûte l'année absurde. OK est-ce que vous voulez ça docteur? OK m'a commencé ou à OK. Donc, on regarde Genèse, histoire, moi, des Noirs. C'est un potorique garçon qui offrit nous. Et c'est Carter G., Dr. Carter G. Woodson. Qui est-ce qui Dr. Carter G. Woodson? Dr. Carter G. Woodson, c'est deuxième Noir qui complétait un doctorat dans Harvard University. Harvard University. Le docteur Woodson
La première noire qui était complété doctoral dans Harvard, c'était W.E.B. Dubois. W.E.B. Du Bois. C'est première, Carter G. Woodson, c'est deuxième. Donc, le Carter G. Woodson fin complété doctoral dans Harvard Université qui est située à l'État Massachusetts aux États-Unis, li réalise yon bagay. Li réalise que ça que li yaprele yon vraiment bon éducation, li pa prepare pour servir tèt li avec communauté. Par conséquent, Carter G. Woodson écrit yon livre que nous ka di c'est magnum opus li, c'est-à-dire li écrit un pile l'autre livre mais œuvre qui plus important que l'écrit qui relè The Miseducation of the Negro, mal éducation de la race nègre. OK? Côté que dans livre ça li fait très clair, li fait très clair pour nous que ça que d'après les yon bon éducation que le recevoir dans institution pour Harvard et la crier en essence c'était mal éducation parce que yo pas préparé pour le servir tête li avec communauté, au contraire yo même engendré complexe de infériorité la caille. Donc pour porter correction avec ça, c'est ça que fait Carter G. Woodson. Monsieur Pral dit, il est nécessaire que pour si moun noir, élève noir, qu'on de qui est-ce que yon yé. Imaginez ça, que nous créer des grands empires, nous créer des édifices, des structures, tant que pyramides de Gizeh en Égypte, que à nos jours, même pays tant que États-Unis pas qu'à même répliquer même une miniature une structure comme ça. Même japonais qui très avancé dans la technologie, mais par contre dans les années 70 yo compagnie tant que Nippon, une compagnie japonais essayait répliquer une miniature une pyramide, ça yo pas capable. Même là, ils utilisaient des outils technologiques avancés. Donc, Carter G. Woodson a trouvé que c'est très nécessaire pour que moi connais que, hey, l'histoire n'a pas commencé dans la plantation Saint-Domingue ou bien dans la plantation dans l'État Virginie, Maryland, etc. Mais que moi là, li héritier yon histoire qui réellement grande, majestueuse, et côté que ses ancêtres noirs là qui commençaient à tout bagaille qui offrit monde la première civilisation yo. Donc c'est comme ça que Carter G. Woodson li pral proposer et à gauche à droite qui contrôlait éducation Black History Week, pas même mois non, mais semaine. Parce que, hey, monsieur, réflexion, c'est que si couteau meilleur pas ses hommes. OK? Mais je dis à semaine, vini moi. Bon, t'es directement sur la question là, aussi. Donc, dans le cadre nous-mêmes, parlant, éducateur noir, chaque jour, nous t'adouer à enseigner histoire noire, des grands bagailles que nous accomplis. Mais bon bagaille en précaution très importante et même la façon que yo célébrer histoire des noirs, bon façon, une façon très pernicieuse qu'elle a faite et qui gagne des effets très néfastes
le cerveau sur tout le monde et nous adresser ça dans la Bible. Souvent, on va le dans Black History Month, histoire des Noirs, ils enseignent seulement de Noirs qui nous ont dit qui n'ont pas esclavage au post-expérience colonisation. Tant qu'il y a enseigné Grand Noir, tant qu'il y a George Washington Carver, il y a fait des Noirs qu'on a des Oprah Winfrey, des Noirs, tant qu'il y a Macy Jameson qui sont femmes, mais qui montent dans la lune, etc. Très bien. Mais bon, jouez dans le bagage ça. Et faites attention avec ça. Là, nous rentrons dans le curriculum caché. Ils ont intentionnellement, ils n'ont pas montré et ils n'ont pas enseigné ça noir, le bagage noir qu'on a accompli avant l'expérience coloniale. Là. Ça, mais ça que lui fait. Il y a un paradoxe qui est dans la psychologie qui est très puissant, c'est que ça que vous apprenez, sans que vous ne connaissez pas même que vous apprenez, c'est lui qui vous apprend plus bien et qui était avec. Par exemple, par des gens là qui a participé à la conférence qui te connaît, là, vous apprenez à parler. Ou bien les que vous apprenez à marcher. Cependant, nous apprenons à faire bagaille ça yo très bien, et si pas de bagaille, on trouve ma qui rive, ou jusqu'à ce que nous mourions, nous apprenons comment pour nous parler, nous apprenons comment pour nous marcher. Donc, l'ayant intentionnellement enseigné moi là, Timoun moi là, de grand héros, post-période coloniale là, et yon pas enseigné yon de grand noir tant pour Imhotep, comprenez? Tant pour Queen Nzinga, tant pour que Amenhotep le 4. Donc, ça que yon réussi fait, yon fait si noir penser que si que blanc patal prend nous, li retire nous en Afrique. Mettez-nous dans l'esclavage. Mon cher, c'est un coup. Nous ne pouvons jamais rien. C'est dans la jungle que nous avons couru à zone en nous, à faire des gars, si les flèches sous l'autre. Donc, ça a son jouet très, très pernicieuse que vous jouez. Et donc, c'est aussi, non seulement, faut que nous-mêmes, parents, éducateurs, pour nous prendre responsabilité, apprendre des grandes choses, tant que nous mettons dans le livre que moi accompli avant période pré-période coloniale là, mais pour que nous prenions responsabilité nous pour nous enseigner petit nous et tout le petit noir que nous va rencontrer ou bien nous va en contact avec eux. Consacre que c'est une meilleure façon pour nous combattre racisme intériorisé. Docteur Ozo, je ne connais pas si vous avez ajouté mon bagage. D'accord, je pense que vous êtes correct là. Ok. Et merci. Et docteur Lubin, je fais un ramasser avec plusieurs propositions que nous faisons pour nous gérer tantôt et pour me capable poser nos questions. À un aspect jusque-là, je pensais qu'il intéressé nous. Et l'un de la recommandation que nous fait face à dilemme ça pour sauver Timonio, nous recommandons par exemple homeschooling pour faire l'école la caille pour Timonio. OK? Nous faire référence à un modèle l'école afrocentrique qui existe dans la ville de Toronto que professeur Sefade a créé. Et qui t'a doué que nous devons considérer le jour que nous décidons de doter tête de propre l'école par nous, et ça me pense, nous avons pour nous retourner sur lien. Nous faisons comme recommandation
Et dans page 131, par exemple, en réponse à racisme institutionnel, nous faisons approche côté que nous disons aussi au capable considérer. Et pour répondre à ça, c'est pour considérer des ressources là dans le milieu hein, et des mondes, des jeunes, encadrer eux, bailler aux ressources pour venir tourner des élus qui capable embrasser cause yo. Et nous faisons plusieurs types de recommandations. Ça, moi-même, je ne peux pas empêcher par rapport avec le travail que m'a fait dans Haïti Éducation. Je ne peux pas empêcher de prendre en considération radiographie communauté pays. Parce que je me sens quelque part livre là, il y a une dimension scientifique qui est adressée à plusieurs groupes, mais je me sens que gagne une attention spéciale pour compatriotes, non, pour communauté haïtienne. Je ne peux pas empêcher de prendre la communauté dans sa réalité du pénible Jean nous connaissons, désorganisé avec toutes les caractéristiques que le gagne. Et c'est même osé que nous relèvons la communauté comme ça. Donc, l'homme prend toutes les recommandations que nous avons senti quelque part qui ont des gens sélectifs, élitistes même, d'être capable de dire est-ce que nous prenons en compte profil communauté hein, et les gens qui ne sont pas capables de barrer la langue à manque de préparation, à manque de temps, à manque de moyens, qui s'en a dit dans le volume bon recommandation ça que nous faisons. On va aller avec ma courroie. OK. OK. Très belle question. Donc, si je comprends une question bien, donc, Rossini, vous avez demandé nous pour nous prendre compte réalité haïtien qui a vécu, quel que soit, on a parlé aux États-Unis ou bien au Canada, c'est que il y a un manque d'organisation. Il y a un manque de ressources, il y a un manque de leadership. Et honnêtement, nous faisons le même constat à tout. Et nous ne sommes pas naïfs dans ce sens-là. Nous connaissons la réalité ça comme des pragmatistes. Nous obligés à prendre compte de tout. Now, malheureusement, moi-même, moi fais presque 85% de vie m'a vive aux États-Unis. Donc, c'est un contexte que moi connais très, très bien. Et moi, qu'a dit avec tout l'autre monde qui a écouté nous, c'est que l'ordre du jour, c'est ça que y aurait les dans science politique, représentation asymétrique. C'est ça qui l'ordre du jour dans la communauté haïtienne, quel que soit on parle Canada, États-Unis et même Haïti. Ça veut dire que moun qui nous aide, mette dans office comme grand politicien, etc., qui t'a supposé à représenter nous, mais dans la fin de journée, dans la réalité, il n'y a pas vraiment à représenter communauté noire vraiment vrai. Au contraire, c'est l'autre communauté, l'autre monde que y a représenté et souvent nous joignent un grand pourcentage, toujours une exception, bien que honnêtement, moins pas qu'on est exception yo, nous joignent que nous des politiciens nous yo. Yo toujours plus contenté de participer dans ça qui relé wine and cheese. Et là-dessus, moi comme ça que m'a parlé très bien parce que là que moi New York, moi avec quelques autres frères acteurs, nous t'ai organisé. Nous t'ai gain organisation qui pour former moun en pile dans moun sa yo haïtien sa yo qui pral vinn politicien jodia qui gagne office et moi-même rôle moi c'était pour faire encadrement. Donc pas de route pas bois Rossini, même là que communauté noire li désorganisé, mais si que nous voulons
mette yon frein à ça qui a passé, nous pral obligé gagner l'autre leadership. Leadership côté que c'est nous haïtiens, tant que tout l'autre peuple sérieux qui handicap vivre aux États-Unis fait, on dit par exemple chinois, communauté chinois, juif, yo identifié yon série de moun qui gagne une histoire de service que yo connaît, que si yo encadré yo mette ressources derrière yo, là yo rivé soit Albanie, soit Washington, soit Ottawa, mais moun sa yo c'est agenda pa yo pral côté, yo pa pral nan contenté yo al juste participer nan manger fromage à boire bon du vin à vien dan yo toute la sainte journée. OK, pendant que si moun nou yo y a détruit. Par exemple, boy ici Canada, sous chaque 10 haïtiens qui rentrent l'école, selon Gina La Fortune, 7 là-dedans yo a échoué. Bon, États-Unis même c'est pis mal. OK, donc ça veut dire que même les difficiles, mais nous obligés à assumer responsabilité ça. Donc ça veut dire que nous connaît que à un grand degré que livre nous écrit à même les que vraiment nous écrit et c'est soin nous t'a souhaité que tout parent haïtien, tout éducateur haïtien lire, mais nous connaît ça c'est l'idéal mais pas réaliste. Mais par contre faut que des organisations tant pour organisation la Rostini qui connaît réalité ça et qui embrasse, qui ramasse responsabilité, ya, qui pour prendre un livre comme ça et qui pour faire une série de ateliers avec parents qui pour assurer par n'importe moyen nécessaire pour yo transmettre connaissance ça yo avec parents, parce que éducation ti moun commencer avec éducation parent. Prends par exemple chinois, même les que li pa parler anglais, mais cependant li gagne leadership nan communauté, li gagne des organisations qui a dit mais ça que pou le faire avec ti moun ni si pou ti moun nan réussi. Open? Donc on parle pas besoin qu'on même lit pour que on dit yon organisation tant kou Haïti éducation ka conseil de atelier qui pour montrer OK les ti moun nan sot l'école faut que li manje yon bagay li pòk l'école li gon ti espace même si c'est non ti studio, même si c'est un chambre à coucher, parents rete avec ti moun nan, mais ti moun nan li gon ti espace que pou le faire devoir et parents li assurer que ti moun nan a fait devoir même l'elle pa comprend rien. Tant que par exemple, le yo ba yon ti chinois devoir, parents pa ka aide avec devoir. Parents papa en pile nan parents pa parle anglais. OK? Mais ça pa vle di, mais si parent consistant, li joue yon rôle très proactif. Même là que c'est teke la teke français, même là c'est éplé la éplé anglais, mais pas juste al pran petit li la gueule dans l'école et aveuglement la fait tout ça que y a dit fait. Et souvent ça que qui arrivé, yo enrôlé parent contre même propre petit li sans que le pas connaît. Un pile parent signé on sait des bagages que yo pas ta doit signer. Donc aussi ni pas gen route pas bois si que nous même haïtiens dans diaspora petit nous n'a retiré yo dans croix mire ça dans marasta a gen obligé gen leadership qui prend ça en main et a bien obligé gen par organisation tant pour Haïti éducation qui ramasse responsabilité et qui dit que hey
pour que nous vulgariser yon série de informations pertinentes parce que moins information sa yo si moun nou yo yo nan blo yo foutu yo même a privé péri rentré sorti nan prison parce que système là sans équivoque structuré pour échec yo. Donc c'est ça m'a dit et moi sûr docteur Oslo voulait ajouter. Oui, m'ajoute un petit bagage. Ça veut dire que ça docteur justice dit là et il y a une théorie en pédagogie bon Paulo Freire même qui vient avec théorie ça qui corrèle cette théorie que monsieur les alors c'est monsieur les critical conscience critique critical consciousness consciousness yeah, yeah. Donc conscience critique parce que ça Paulo Freire remarqué il y a marqué que groupe qui opprimé yo. Et son théorie il va faire un peu l'expérience les États-Unis avec elle, il applique dans un pile groupe qui marginalisé, groupe qui est opprimé. Et ouais que information, c'est parce que les informations que groupe ça a pas gagné. Et théorie ça conscience critique là, il demande que pour groupe ça a joué l'information ça. Et qui ça information ça fait pour groupe ça? Il empower groupe ça, il a le pouvoir. Ouais. Donc dans ce sens parce que libre ça doit susciter un mouvement. La communauté. Il y a un mouvement et ces mêmes gens, nous devons que la révolution culturelle chinoise, la Chine, c'est que ça le petit livre de Mao Tse-tung. Ouais. Donc, nous ne pouvons pas jusque là. Même parce que livre ça tout, sont livres qui sont capables de faire une révolution culturelle dans la communauté. C'est ça que nous avons maintenant là. Jean et Dr. Jissi là, il faut qu'il y ait des organisations de groupe là, par exemple, qui sont capables de promouvoir, faire promotion. Conseil, information qu'on a dit ça, pour qu'on ait une communauté à une forme. Et là, nous jouons, il y a un feedback que nous jouons sur le livre là, qui encourage nous, qui fait que nous optimistes pour demain. Ouais, parce que nous connaissons que le livre là, il y a une puissance, il y a une information puissante qui a bas mon pouvoir, qui a ouvert le monde, qui a changé conscience, qui a mis une communauté à une dynamique. Et dans le livre là, il y a un petit bagage tout petit que, par un café, et si parents fait comment c'est fait ça yo a grand changement donc par exemple parents capable faut clip ça dans bouli parents des informations comme ça comme très simple parents fait pour des petits mounyo par exemple faire petits mounyo monter petits mounyo comme si comment pour éviter que dans l'école on discrimine yo comment question raciste là dans l'école comment tu me comporter yo l'autre parent encore pour parents fait petits mounyo faire sport pour quoi bien solide faire sport faire dormir bien dormir bonheur. Parce que nous avons grand pile timoun les autres écoles il a qui timoun qui va prendre ça en considération l'autre pas encore pour faire timoun yo li tout même là où même ou pas connait mais faire timoun qui livre même pour l'appli et là comme ça faire li à haute voix ouais à haute voix parce que dit que lecture c'est vraiment toute connaissance on va chercher bon livre pour faire timoun li et si parents pas connait tout pas capable faire appel à experts dans communauté là ouais à mon temps de docteur justice. Donc moi-même, je commence à aller dans la communauté pour faire un conseil, pour qu'il y ait tout le monde lit. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas comme ça que nous mettons dans le livre là, comme si pour parents, parents, on connaît parents, on fait. Et si parents arrivent à faire tout petit pareil ça, ça fait un gros changement dans le monde. Vous comprenez? Même pour ça, c'est vrai que nous commettons des problèmes, mais le livre ça a tout pour avoir plus de solutions pour la communauté. Et c'est sans aucun doute que le livre là est très riche. Et l'on conversation que m'te gagne avec docteur Lubin moi dit que à chaque fois que ou monde qui gagne un petit crasse sensibilité à question ça yo depuis les livres là la prendre compte que c'est ça en anglais un job assignment nous balé parce que la prendre compte que gon travail qui pour faire quelque part et me poser question à dessin tout parce que le fait pendant à dernier et rencontre que m'te gagne sur plateforme ça côté que m'te sorti à conclusion sur nécessité activité communautaire, solidarité pour partager parce que quand même n'a pas parlé de petit monde qui victime déjà. N'a pas parlé de grand monde qui victime tout. N'a pas parlé de parents pas connect pas capable. N'a pas parlé de structure qui pas gagné côté que ressources experts, j'en nous dit pour ta consulter pas disponible trop facile. Donc gain travail qui pour faire et me penser que li mandé plus j'effort toujours pour prendre bon j'ai information ça yo. Jean nous dit là pour marcher contre avec pareil.
Mwen ton question intéressant, mais m'a quitté le pour me fermer, pour me faire mes parti pas m'en avec. Il m'a quitté là pour me fermer émission et sous livre là avec nous-mêmes. Et n'a prend 3 minutes de pause côté que n'a demandé tout monde qui a suivi, très certainement qui gagne question tout. Écris question yo et n'a pas le prendre comme d'habitude nous habitué faire là, n'a pas le gain possibilité interagir avec deux auteurs, deux co-auteurs livre là qui c'est et adieu l'école injuste et nous penser que c'est moment pour aller venir pour nous faire. Donc n'a prend 3 minutes pour nous mettre nous à l'aise pour nous écrire question yo et puis n'a reprendre et on dit que li 7h28 n'a reprendre à 7h, on dit 4 minutes n'a reprendre à 7h32. À tout à l'heure. Non,
OK. Merci tout le monde. Nous retournons. Et docteur François, docteur Lubin, et docteur François Osoumiotoui. Et OK. OK. Première question nous gagnons. Et participants demandé, est-ce que nous pas doit faire livre interactif avec dessin pour ti moun piti que parents yo ta utiliser les ap initier ti moun yo dans lecture. Comme ça nous t'ap capable membrer ti moun yo avant yo rentrer dans système scolaire ça yo. Depuis entrer dans terre avant pap ka jeté facile. Depuis racine nan rentrer dans terre. OK? Vent pap ka jeté facile. C'est un participant qui fait commentaire ça et qui pose question hein, est-ce que nous pas ta doit faire livre interactif avec dessin pour ti moun piti ka pa prendre que n'a pas prendre utiliser par pas utiliser la pas prendre. OK, maintenant pour répondre question ça, on connaît que Dr. David Sis gon paquet expérience dans bazar en production matérielle. Et on connaît que monsieur gon paquet matériel que il commence produire pour ti moun en commençant par jeu. Ouais, et casse-tête, ouais, jeux vidéo, ou pas qu'elle m'a que monsieur fait, et moi, bah, monsieur, par les paroles, monsieur, bah, expliquez-moi ça en plus, parce que moi, des matériels qui sont adaptés pour tout le monde, moi-même, moi, monsieur, qui a une expérience, ça, il vient au bac, déjà, m'a passé, monsieur, pour nous dire plus sur ça. Oui, commencer dans les années 96, les moitiés fait commencer à enseigner dans la ville de New York. Les samedis fait compléter bac moins et ensuite nous commençons à enseigner mais dès qu'on a enseigné algèbre les ça on a cherché matériaux qui pouvaient ca stimuler élèves moins yo encourager yo pour yo vouloir apprendre même pas de cas joindre donc c'est ça que fait moi t'ai venir collaborer avec deux frères côté que nous créer une compagnie qui relait Origène LLC. Donc côté que dans Origène LLC, nous créer casse-tête. Nous créer même jeux vidéo éducatifs et nous créer des ça que relait flashcard, carte éclair à toute information. Mais ça qui vient passer nous pas à l'époque pas de réseaux sociaux, gens qui gagnent ces jours-ci, et nous pas connaît que si bagay la ta prend nan niveau, li ta prend ampleur que li prend, donc nous pas vinn gen l'argent nous trois pour nous capitaliser industrie organisation business là. Donc en pile de matériaux nous par exemple, Castetio, c'est la Chine que nous t'es obligé. Voyez, prends yo, je vidéo yo, c'est la Chine, etc. Mais nous pas qu'à joindre investisseurs et yon bagay kon sa, le nou à la banque là pour nous t'ajoindre prêt. Ah, m'a besoin d'où? Yo pratique red lining, ça veut dire, hey, basé sous communauté, nous sortis a déjà. Nous disqualifier pour créer. Donc, nous pas qu'à réellement capitaliser le business là. Donc, ça te vient pas tomber à l'eau parce que matériaux yo là et tout échantillon yo et son rêve et yon jou faut que nous continuer, faut que li fait. Donc, il y a pile livre, casse-tête, jeux vidéo, carte éclair, tout bagay ça yo qui là. Et on joue pour nous rentrer dans masse production. Ouais, donc c'est ça, c'est là que nous y est pour répondre belle question ça. Absolument, non seulement pour nous créer livre à dessin animé, mais pour nous créer l'autre bagage genre ouais, l'autre monde créer bagage pour yo endoctriner si monde nous yo tout nos façons négatives. Même poupée qui représente bagay positif pour nous gagner et moi voulais inviter nous tous pour nous créer bagay sa yo
ou bien même joindre avec nous pour nous collaborer. Parce que c'est ça que peuple sérieux fait. Très bien. Et merci, Dr. Lubin. Il y a une question et côté que participant a demandé. Alors, il dit que il trouvait que analogie vampire là côté prend et côté mentionné dans la présentation, il trouvait l'intéressant. Il dit est-ce que d'aka font tirer aller plus sous bagaille ça. OK. Alors la trois curriculum que nous parler. D'abord nous connaît que la curriculum officiel de l'école là et l'école nord-américaine, c'est un curriculum qui est très eurocentrique. Ça veut dire que c'est des formations qui surtout concernent blanc que vous mettez ouais au fond pour tout monde apprendre. Donc curriculum nul là les tout monde n'a pas apprendre information qui concerne tête plus ancêtre li ou bien propre tête parle. Maintenant tout monde assimiler tout monde intérioriser. Ouais, une perspective que le pas doit intérioriser. Parce que une n'a avec curriculum nul en fait ça que il bon perspective même définir perspective. Je vais penser. Ça veut dire, je vais être tête ou, je vais être monde qui semble avoir, je vais être l'autre monde, yo. C'est ça que le curriculum nul en fait. OK? Donc, c'est lui-même qui permet que vous intériorisez. Et là où intériorisez, c'est ça que donc, vous venez ça au lot des réflexes. Parce que finalement, éducation, qui ça le fait? C'est lui-même qui forge réflexes. C'est lui-même qui, dit, inconscient, l'entraînement inconscient, lui, on voit l'inconscient. Et d'ailleurs, je me rappelle le travail que vous faites, vous avez fait. Je me suis montré que 85% des actions que nous avons posées dans la vie, nous décidons de manière inconsciente. Je dis parfois même pour voter. Pour voter, son bar, pour une décision inconsciemment. Ouais. Donc, je me suis montré que un gros rôle que l'inconscient jouait dans la vie. Nous. Or, éducation en contenu que vous mettez. En conscience, soit l'ichita dans l'inconscient. Donc, il y a là, il vient boire des réflexes, il y a là, naturels. Et c'est pas parce que c'est des réflexes anti-noirs, anti-haïtiens, que il va où. Donc, ça croit que il y a là, nous toujours prêts pour agir contre quoi peut-être pas nous. Et ça n'a pas une autre barre que nous caractériser, sinon que condition vampire. Oui, parce que les vampires mordent où, automatiquement, ils mordent où, ils mettent un venin là ou même. Qui faut qu'est-ce forme qui change en vampire tout pour y là ou vinn gagner la ligne de miou comme si comme moun ki nourriture moun ki sibou c'est race humaine comment donc c'est ça en fait curriculum nul là caché et même forme là c'est ça refait dans l'école là comment donc ça son paquet de bagages lié donc un professeur ou bien un parent pas comme ça donc pour lui c'est pas rien ça quoi après grand pile moun comme si on n'a pas de bagages mais au fond si on est comme ça, il aura bâché parce que curriculum caché, curriculum nul, il est positif tout. Ouais, tout bas, ça que tout bas qui bon si mon nom, vous mettez. C'est pour ça que le perjudice d'où. Ouais, même j'ai pris des livres, des matériels scolaires pour endoctriner si mon nom, eh bien, même matériel ça a tout, comme si bon matériel y a tout, il a fait l'effet contraire, l'effet contraire. Donc, je pense qu'en fait, c'est ça. Par contre, c'est le perjudice d'où là, je vous balaye. Oui, c'est un coup, concept bien que l'argent que vous voyez dans le film là, côté que bon vampire l'a cherché yon humain li modèle nan koul donc depuis le modèle nan koul li transformé el fèl vin ap travay kont prop intérêt ak intérêt group pal ouais donc c'est ça que nou te ka di ki rele hégémonie parce que sou ki regardé les nou déshabillé terme ça hégémonie. Sa hégémonie, c'est que comment pour groupe dominant continuer dominer sans qu'elle pas besoin utiliser force avec l'armée. Et donc, gens que li fait ça, c'est à travers agents de socialisation yo et dans différents agents de socialisation yo, c'est l'école là. Qui fait plus dommage parce que, essentiellement, en termes de l'autre agent de socialisation, notamment l'Église,
médias, gouvernement, centre culturel, c'est que on dit yon ti moun pa gen loi qui dit yon ti moun obligé à l'église, mais gen loi qui dit ti moun nan obligé à l'école tout autant le pas conseil en certain âge. Donc c'est là qu'on y a dans l'école ça sous ta vle vampire yo pral profiter ou prendre enrôler ti moun nan nan yon bataille contre trop tête li et contre trop groupe que li appartient de li a. Donc c'est ça que métaphore vampire la représenté. C'est que moi enrôlé dans yon bataille contre propre tête ou propre groupe côté que donc c'est pas par coïncidence par exemple ou joindre des haïtiens les yon fini l'école université en Haïti même maman yo want maman yo gen droit remet avec yon femme ou bien yo remet avec yon garçon mais yo pas jamais introduit moun nan à maman yo want parce que ça fait ça souvent pour maman trois noir maman pas parler français etc. Donc l'école ça li enrôlé individu a contre propre intérêt tête li et à groupe li. Donc c'est ça nous voulons dire. Il y a en plus pour m'ajouter encore l'école là pour voir l'école là oublier que nous passer dans l'école période qui plus important dans vie nous enfance et adolescence. Deux périodes c'est même qui plus important dans vie nous nous passer en l'école et nous faire plus temps dans l'école là que en famille nous avec dans l'église. Oublier 40 heures par semaine et pas pour même plus même. Ouais donc l'école là ça veut dire c'est une institution qui claire. Donc tout dommage c'est là et faut m'ajouter ça tout c'est ça que fait normalement li prend 15 ans à 20 ans pour bien déstabiliser yon pays parce que li prend 15 ans à 20 ans pour éduquer ou bien mal éduquer si pas vrai yon ti moun. Donc c'est dans période ça 15 à 20 ans sous voulez déstabiliser yon pays pendant 15 20 ans pourrait tenter la tête élève yo et après ça va jouer le résultat. Haïti c'est un cas qui illustre ça m'a dit son pays qui déstabilisé mais te gon plan pendant une période de temps et comme dans recherche moi même à docteur Roslo nous démontrer et surtout dans recherche docteur Roslo qui montre par exemple démocratie à cause des systèmes mal éducation en Haïti sont bagages qui impossible. Ouais, mais son bagage son plan macabre qui te mettait en action pour que pour falsifier conscience élève haïtien pour que li bon résultat que n'a vite jodi a. Un pays qui n'a yon état de nadir, ça veut dire point qui plus bas que bas. Merci, docteur Lubin. Merci, docteur François. Prochaine question. Hein, et intervenant dit, moi, songe, maman, m'te qu'on assure nous manger bon manger la caille avant à l'école. Est-ce que gon rapport entre pain quotidien et pain instruction? Qui wol nous penser nutrition gagné dans apprentissage yon timoun? Et puis tout, qui conseille nous kabay parents sous qualité manger timoun yon manger? Sans doute. Gagner au contraire gagner recherche même qui montrait que diète au monde a un grand degré à déterminer santé cerveau et ça c'est surtout si monde noir non par exemple développement dans étude développement psychologie nous joignent que si monde noir là mélanine qui dans cerveau là li cause par exemple cellule yo ça que yo rele neurones yo vibrer relativement plus vite donc la que ti moun sa li a manger sucre ou bien la manger on série de manger qui gen préservatif là-dedans c'est sûr donc ti moun sa souvent c'est ou joine ti moun sa yo c'est yo que yo rive l'école yo di yo très hyper.
Donc, dans le livre, nous adresser ça tout. Et diète là, li absolument li crucial. Ça veut dire que non seulement faut que nous bien dormi, mais faut que li mange bien tout. Elle mange une série de manger qui bon, qui alimente ses voies, mais qui pas détruit ses voies. Et bien manger, ou abjouen, c'est ça que fait. Lors entre non série de, ou al non série de quartier, ou al non série de épicerie, ou de supermarché, ou pas jouen manger ça yon. Mais, al non série de l'autre quartier, notamment du quartier noir latino, ou abjouen manger ça yon à gogo. Ouais, parce que nourriture li joue yon rôle clé, soit que li alimente ses voies avec quoi, ou bien li participe activement nan détruit ses voies. Donc c'est pas par coïncidence, par exemple, en pile moun pa jam pote attention avec une série de codes manje yo gen ladan. Mais par exemple, moi-même, mka dou moi toujours les mal dans épicerie même les pas en pile manger mais mal derrière manger sacré les manger en anglais organique ou bien en français biologique et yo gen code par exemple depuis moi code 3 sur un fruit ou bien un légume moi pas consommer parce que moi connais ces bagages yo fabriqué dans laboratoire mais par contre code 9 là Boycott Canada c'est lui qui représentait soit en anglais organique ou bien en français biologique. Donc, je préfère acheter moins quantité, mais mal de qualité, parce que je ne veux pas le détruire, c'est vos petits plants qui font partie de plan tout, des chèques là. Très bien. Prochaine question, nos participants ont demandé qui approche tout à l'heure recommandé pour un petit monde qui paraît mais lit. Mais que nous t'aimer quand même qu'il gagne accès à histoire à culture li que yo pas offrir l'école. Bon d'abord on pense que nous connaît conditionnement alors en psychologie montre ça donc récompense nous connaît que ti moun nan gagne des bagages comme si ti moun nan aimer en pile et une bagage timon nan en pile que ou ka acheter bali eh bien ou ka renforcer timon nan et si timon nan li et puis ou bali donc ou ka essayer récompenser li et récompenser timon nan ensuite la fin encore donc gen livre tout qui est intéressant parce que livre timon nan remet livre qui est intéressant et ou livre qui est intéressant par exemple livre qui gen intérêt timon nan dedans et nous connaît comme si que gen auteur la communauté nan comme si communauté nan comme si auteur noir et même auteur qui progressiste ouais qui écrit pour Timon c'est ça pour chercher auteur qui assez un livre assurer que livre ça va rien dans des biens culturels parce que il y a auteur progressiste qui écrit pour Timon qui retire tout bien culturel yo dans livre là donc acheter livre ça yo et puis là faire un plan de lecture pour Timon dans lit et puis avec récompense depuis vous disposez de récompense Timon dans pour lit nous sûr que Timon a lu ouais. Parce que lecture la depuis on a commencé à lire la prend goût la possibilité mais c'est toujours assurer que pour compenser pour balder ça remet au balin pour mettre l'île au balin et puis associer avec lecture là et me penser que ça marche. Ouais et ça que moi te ca ajouter sur ça et docteur Oslo fait allusion à elle c'est que remet lire faut que nous reconnaître son processus que lié et donc bon gens que ou fait ça ou pas doué tant qu'on dit en pile parent haïtien fait yo imposer lecture sous timoun et dans imposition de lecture là gien qui même arrivé utiliser lecture comme une punition par exemple. Moi songe que l'MT en Haïti, bien que c'est 3 ans que moi fait dans l'école en Haïti seulement, mais te kon bon bagay qui dit depuis on ti moun a fait des autres, grand moun kon dit tout allait m pa fort al pran livre. Donc dans sens ça, ti moun nan li vin développer
ça que yorele nan psychologie yon aversion, a taste aversion, acquired taste aversion, kote si moun nan li akeri yon aversion de goût pou lecture, li vin pa reme lecture. Donc pou nou fè a pile précaution, mais d'ordinaire tout ti moun ki pa sorti non kay an di kote ke li wè parent apli, mais s'il te sorti non kay kote ke tout la semaine journée li wè parent apli, donc ça t'a pin tan pou yon norme pou li, pou li, mais c'est moi connais, moi pa naïf, moi connais c'est ce n'est pas le cas pour majorité famille haïtienne. Donc dans sens ça en pile ti moun vin pa reme li, donc jacques ou ka fè ti moun nan reme li, premièrement apprendre de li qui ça qui intérêt, qui ça que li reme, qui ça que li ta reme yé. Bon, on même dit que li ta reme yon jouet qui jouait basketball nan NBA, nan NBA. OK, on ben petit moi on li livre sur les grands takou LeBron James, Michael Jordan, ouwen, se Jean Yote ka di, se un jouet yo baptisé juif. Donc bay ti moun nan goût de li de lecture, pa impose le sou li, konnen ke son processus, mais vraiment sonde intérêt ti moun nan pou ka pote littérature an dan kay la ke li ou konnen ke ki a attiré. Moi-même, moi qu'on a le nom série des cailles, côté parents des problèmes ça, moi dit chercher intérêt si moun nan, quel que soit sa lien, al prend un livre dans bibliothèque là ou bien acheter dans librairie, juste déposer sous la table. Juste déposer sous table salon. Et vraiment vrai si ti moun nan, li gen intérêt, on dit modèle li c'est Tupac Shakur, vous comprenez, li wè Tupac Shakur et écrit un livre from qui est côté que l'a expliqué li c'est un wozo qui grandit dans un ciment dans un canibo ciment. Donc ça seulement je dois intéresser et t'aime pas nous un exemple. Moi t'ai enseigné dans un prison la jeunesse côté que yo incarcéré timoun de l'âge 14 ans rivé jusqu'à 21 ans. Et moi t'ai gagné un élève qui relait Larry. Monsieur c'était un chef, un gang qui relait Crip. Mais monsieur depuis que moi pral faire lecture ou bien pour elle en fait un signe et où les chaises commencé à voler. L'autre nèg commencé, jeune a attaqué l'autre jeune. Mais c'est un jour, moi prends yon magazine côté qui gagne yon clip qui sont rappeur qui relé Snoop Dogg. Moi mette le sous bureau parce que m'était identifié monsieur ce clip, mais monsieur Larry li besoin qu'on ait qui ça que y a dit de Snoop Dogg qui sont grand rappeur mais qui n'a gang crypto. Donc c'est comme ça après les classes finies toutes les élèves qui n'a prison hein, yo mené yo al fermé yo monsieur mandé garde là pour vinn font petit palaver. C'est alors la lui a fait connait que même qu'il a 17 ans lui déjà gon petit. Mais ménage li an sèt encore li pa konn li. Est-ce que m'ka aide l konn li? Mais essentiellement moi-même ça me fait et moi gen un livre que moi écrit sur ça que moi gen pour me publier côté que ou ka utiliser Andy hip hop qui actuellement c'est culture jeunesse là qui sont sous culture en pile jeunesse identifié avec que c'est hip hop que m'étais utilisé pour me faire la ri sorti non niveau côté que sous tes gardes l'emballion examen qui est le TABE test of adult basic education qui testait niveau lecture avec mathématiques
la rue était à 0.0 dans la lecture et dans l'espace de 3 mois, sans que moi pas exagérer, li monté non niveau 11.9. Ça veut dire la li non niveau 11e année 9 mois. Et yo te décoré pour ça, mais c'est intérêt jeune là moi te utiliser pour moi râler à lecture. OK. Merci docteur Lubin. Prochain intervenant mandé nous, prochaine question intervenant mandé nous. Merci pour tête nous pencher nous sous gros problème ça. Hein? Si tu avais gagné un gouvernement sérieux en Haïti qui mandé nous conseil qui pour ta aider ranger système éducation dans pays là. Qui ça nous t'a conseillé gouvernement ça? Merci encore, c'est ça le dit. Oh, ça veut dire que donc ça c'est rêve nous ça. Donc rêve nous déjà c'est que nous gagnons parler, nous parler, nous gagnons tout matériel, nous tous outils pour nous mettre dans notre école. Tout élément au cadre là déjà avec notre éducation. Donc d'abord nous connaît Jean-Docteur Isizil là, pour faire thèse moins sur l'éducation en Haïti. Docteur Isizil même tout fait même pas tout, il fait thèse tout sur l'éducation en Haïti. Donc nous travaillons, nous diagnostiquons le système là, nous voyons tout problème yo et nous avons une solution. Yo. OK? D'ailleurs nous connaît qui éducation que nous voulons pour Haïti hein? Et une éducation qui capable de nous Haïti. Nous connaissons qui j'ai pour orienter l'éducation hein, pour changer notre génération. Et nous toujours dit ça. Par exemple, nous disons que par exemple, nous avons besoin d'un groupe de monde, ça y est, une masse critique, qui est capable de changer l'école là. Et depuis nous avons changé l'école là, depuis la prochaine génération, nous avons besoin d'un résultat, un changement. Oui. Donc, nous parlons pour ça. Nous parlons pour nous conseiller n'importe quel gouvernement progressiste qui voulait venir changer le pays. D'ailleurs, comme nous bien, moi participé dans quelques réunions dans la éducation d'Haïti. L'aime venir avec nous un nouveau discours que ça n'a pas parlé là. Yo très réticent. Pour commencer parce que grand ville baïe pas connaît et ouais, ignorance fait que nous peur. Ensuite tout en pile la moun sa, c'est des agents qui auraient. Agents de ambassade, surtout ambassade de France. Parce que nous connaissons que jusqu'à maintenant, la France a Angèle pour lui dominer le système d'éducation en Haïti. Ouais, Jean-Gaspard Théodore Molien dit dans le plan là, quitter les affaires économiques, les affaires politiques, les Américains avec l'autre monde. Mais les affaires d'éducation, la culture là, on prend la main. Les affaires, ils ont arrangé depuis tout petit jusqu'à l'université. Il y a un contrôle système. Donc, premier bagage que nous voulons demander au gouvernement progressiste qui veut changer le pays, c'est pour nous récupérer l'éducation, pour nous mettre français à côté. OK? Il y a toujours aider nous. Ouais, mais c'est dans ça demander pour aider nous. Ouais, nous connaissons actuellement dans le ministère un paquet de consultants. Ouais, par exemple, soit faire un plan là, un plan éducation pour Haïti, ou pour que le représentant UNICEF qui c'est un francophone, il y a un représentant UNESCO qui c'est un francophone, il y a un représentant Union européenne qui c'est un francophone, il y a un représentant Banque mondiale qui c'est un francophone. Comment? Donc il y a un gérant, ça veut dire qu'il y a accaparé tout, depuis sa fin d'éducation, il y a même qui est là-dedans. Ça compte encore tous les 4 ministères, c'est des 4 comme si vous formez. Ensuite, il y a un ancien ministre qui a été mis dans notre ministère, qui est comme consultant, il y a besoin, il y a eu. Donc ça veut dire que la France, il n'y a pas parlé du contrôle des ministères à 100%. Ouais? Donc, premier bar avec un gouvernement progressiste qui arrive à ce pouvoir arriver, c'est essayer de résoudre la question. Consultant français ou bien autorité française, retirer le ministère, prendre contrôle du ministère. Ouais, parce que ça maintenant, ce n'est pas ici qu'a dit le ministère de l'Éducation nationale. Ouais. Et nous avons dit tout un coup, par exemple, notre thèse doctorat nous fait recommandation. Par exemple, notre thèse doctorale, moi gardé question à faire langue d'instruction, qui c'est un vrai problème dans le contexte haïtien. Côté que bien que 95%
haïtien parle yon seul langue qui c'est créole, mais à un certain degré, nous ouais instruction et la fête nous pas même quand même dit français, parce que sous bien garder que 85% professeurs haïtiens pas compétents pour yo t'a enseigner en français. Donc ou bien joindre yon chaka, ouais, son chaka, et clairement li gagne yon impact négatif sur l'éducation. Mais ça son bagay que les que moi fin garder réalité ça me passer vraiment en bas microscope, moi faire recommandation on dit à académie créole haïtien, mais nous connaît que bagay ça yo souvent yo rentre dans petit bois et c'est tout. Prends par exemple moi même à Roselor, nous constamment avec un pile respect et compassion, nous en échange avec une série de acteurs clés qui en Haïti qui sous un forum sous table un forum élite que nous participer et nous ca dire que au commencement nous te joindre pile résistance, mais c'est que ces jours-ci gens que tendance loyer les nous fait point on sait des points bien frère acteur qui fait partie de élite là qui c'est des grands acteurs en Haïti ça qui ministre etc. Yo préféré pas répondre parce que non sens Jean Bagay la yé là pour yo Jean Bagay la yé actuellement li bon pour yo mais par contre li pas bon pour majorité là qui a végété qui pas gagne rien qui pas gagne espoir. Et mais nous connaît que changement c'est pas un événement et c'est un processus que lié et d'autant plus monde qui résiste changement c'est monde qui gagne plus bagaille pour changer. Donc nous connaît ça tout. Donc c'est ça qui fait nous gagne compassion et nous comprendre et mais nous pas cesser de même là que nous en dehors des pays là et excusez-nous nous pas voulez offenser quel monde c'est pas que nous pas joindre appel pour nous ta faire partie de ça que y aurait les gouvernements haïtiens mais cependant nous opter pour nous pas mélanger nos bagages comme ça et c'est rêve nous que un jour Haïti a gagné yon gouvernement qui vraiment soucié de peuple haïtien qui voulait faire ça que nous relé yon renaissance haïtienne et nous préparer pour nous bailler toute contribution nous. Et mais kounya le fait que nous pas ka faire activement mais nous chercher yon gens que pour nous faire par exemple nous souvent aller en Haïti n'al faire formation pour éducateur n'aller loin en dit côté que gouvernement pas arrivé bon c'est des côté nous arrivé m'pa cacher d'où c'est moun qui ça qui vient rencontrer nous c'est maingouin problème donc mais faut travailler la fête donc gens que nous capables mais pour yes. Nous faire gens que nous capables merci et il fait 8h07. Nous gen la menon encore n'importe 4 questions et n'a fermé 20 questions yo pour nous capable sortir à ça parce que nous gen l'impression pas t'a fini évidemment et est-ce que n'a continuer nous-mêmes est-ce que nous capable répondre question n'a continuer avec reste question pour nous fermer est-ce que nous autoriser nous continuer parce que il fait 8h07 est-ce que nous mettre continuer à question n'a prêt yo sans doute n'a pas question qui posé déjà OK n'a camper sous reste l'autre question que t'as pas le venir yo n'a prend ça n'gain l'en main nous déjà parce que c'est toute une liste et participant mandé comment qu'a évaluer réussite ou bien échec ou étudiant haïtien dans système éducatif nord-américain d'abord on pense que alors réussite à l'égard personnel
et collectif. Je pense que réussite, si nous prenons réussite personnelle là, bon, personnelle individuelle, nous, il y a un haïtien qui a un titre, qui a l'école qui a fait comme. Ouais, mais je pense que là, nous gardons bien, nous, ouais, par exemple, audio, là, nous gardons bien l'ordre professionnel. Par exemple, un pays au Canada, bien ça, il y a des ordres professionnels, ordre fiscaliste, ordre médecin, ordre scientifique. Ça, on regarde là-dedans. Nous, ouais, nous pas ouais, en pile haïtien. Ouais, par exemple, mon ami qui fiscaliste, je dis mais la réunion fiscaliste du Québec, yo, c'est eux deux seulement comme noirs qui dégagent là-dedans, tout Québec. Comprends? Et pour mal plus loin encore, récemment, là, on a regardé sur site des sites associations scientifiques haïtiens qui viennent au Canada. Sur une population, nous avons des haïtiens qui sont en Canada, sans combien quelques milliers haïtiens qui sont en Canada. Et nous avons à peu près 200 scientifiques. Ouais? Donc, or, nous connaissons que si nous avons des scientifiques, il y a des problèmes dans la communauté que nous gagnons, nous ne pas résoudre. Et ça fait nous, par exemple, il y a des groupes, par exemple, juifs qui ont l'hôpital Payo, qui ont fait recherche, qui ont porté soin à la communauté juive là. Nous avons encore italien qui a l'hôpital Payo, qui a fait recherche, qui a porté soin à la communauté italienne. Non? Chinois qui a l'hôpital Payo, qui a fait recherche, qui a porté soin à la communauté chinoise. Non? Mais nous, même haïtiens qui l'a depuis longtemps, longtemps, dans le pays. Parce que même époque avait yo, et même avant, nous venons avant même, nous n'avons pas eu l'hôpital, nous n'avons pas eu une communauté qui a fait recherche pour nous, qui a porté soin à la communauté. Non? Parce que nous connaissons que dans le domaine médical, son bail qui est individuel, son bail qui est personnel. Chaque monde a des problèmes de santé qui pourra lui-même. Donc nous avons besoin des scientifiques et scientifiques ou des médecins haïtiens qui sont supposés prendre soin de la communauté haïtienne, non, mais pas rien ça. Donc en ce sens, ça, c'est des moyens que des indicateurs qui permettent d'évaluer la réussite d'un haïtien ou bien un noir et la communauté noire américaine. Non. Ça veut dire que les gens qui ont son ville là, ou faire la communauté pour avancer. Pour faire comme nous avons fait progrès. Donc, depuis que nous avons fait progrès, parce que de vous faire progrès, ou faire comme nous avons fait progrès tout. Mais nous n'avons pas ça. Donc, dans ce sens, ça, je pense que nous vraiment passer à côté de la plaque, nous échouer. Et fort nous changer de bagaille. Parce que nous avons réussi personnellement, mais pas oublier bien que, je nous dis là, le phénomène raciste intériorisé, nous avons finalement, nous avons même victime de quoi nous avons parlé. Donc, vous avez intérêt quand même, l'heure où la communauté, vous travaillez pour bien la communauté. Donc, c'est ça, je pense que donc, c'est ça que moi, ça. Merci, Dr. François. Et prochaine question, c'est qui contribution nous espérons de gouvernement haïtien dans le cadre de l'école à vision afrocentrique? Alors, une école en Haïti ou bien en diaspora? Et je pense que c'est en Haïti, bien que les gens qui posent des questions pas précisé. Il dit qui contribution nous espérons du gouvernement haïtien dans le cadre de l'école à vision afrocentrique. Nous comprenons le détail qui manquait. Pour commander les gens qui précisent pour nous. Moi, courant que actuellement, je mettais base de l'école afrocentrique en Haïti. Pour que c'est mon fille qui était à santé. Oui, mon fille avec Abamazama. Abamazama. Yeah. Mais ça, c'est en dehors du gouvernement haïtien. Et il faut que moi dise, les gens qui posent des questions, il y a pile de bagaille dans le plan au point de vue éducation qui a fait en Haïti, mais c'est en dehors du gouvernement. Tant que, par exemple, moi-même avec Docteur François, nous très actifs sous terrain dans formation professeur. Mais nous qu'a dit ou ces bagages que nous faisons avec propre ressources nous, avec l'autre collègue, nous solliciter intervention yo dans McGill qui voulait banon coup de main. Les nous rivé dans le faire bagages ça yo, pas de monde qui jamais mandé nous qui ça nous vienne vendre, qui ça nous vienne acheter. Au contraire, on bagaille qui si tellement vital comme ça, tant pour éducation,
c'est que sous si besoin d'étudier un peuple, comme moi ça dit nous tout à l'heure, ou besoin de stabiliser une nation, c'est passer d'abord par système éducation, et dans 15 ans, 20 ans, on a besoin de résultats, on a cherché. C'est que là, nous arrivons en bas, si nous devons faire n'importe de dommage, dégâts, nous sommes capables et assurer bien nous-mêmes qui gagnent sophistication pour nous faire des dégâts à dommage qui a fait. Conseil des institutions en Haïti, que nous faisons que c'est un série de forces qui compte bienveillance peuple haïtien qui installe l'école sa yo même parce que yo connaît que un yo pral créer gagné qui même installe même yo pral créer un série de haïtiens qui apprai l'autre haïtien pareil yo et qui pral honorer en dit la France Jean que en dit en 1860 les que un Jeffra te cédé à éducation haïtien à la France à l'église la France l'église catholique donc bagay sa yo continue sous l'autre forme donc essentiellement ça que me te ka répondre moun qui pose question ça normalement toute l'école en Haïti ta doué l'école qui souscrit à afrocentricité et thème défini ça ça veut dire excusez-moi docteur Lubin mon n'en peut préciser que c'est aux États-Unis. Aux États-Unis honnêtement moi pas gain confiance que ça que nous relé gouvernement haïtien actuellement que moi-même moi pas relé comme ça. Moi juste ouais son groupe moun qui prend yon pays un bon pays avec yon bon peuple docile en otage moi pas gain confiance que yo a jam prend une initiative pour yo te ka fè qualité projet comme ça au contraire m'ta aimé si yo ta fè moi et vraiment vrai si m'ta ouais sérieuxité peut-être moi c'est à premier moun qui a enrôlé pour m'ba yon pou fè parce que son bail qui t'a très bon pour nous même merci pas ça fait. Merci et m'a excusé auprès de intervenant yo il y a trois questions moi gagne pile point commun m'a appelé tous les trois ensemble pour nous gagner un petit peu plus de temps pour nous capable pas déborder trop le temps que nous prévoir pour nous finir. Première question elle est adressée à docteur Roslo il m'a donné un plan pour changement système éducatif haïtien qui ça tape fondamental là. Deuxième question, c'est comment nous pensons que nous pouvons rentrer dans le système éducatif haïtien pour renverser tendance, pour renverser vapeur, étant donné que le matériel didactique en place est déjà mal orienté dans le sens contraire à propre intérêt milieu. Troisième, c'est qui recommandation pour corriger le dommage qui fait l'éducation en Haïti? Qui gens pour nous t'a fait? Que ti moun yo jodi yo vin gagnon l'autre mentalité dans 15 20 ans. Bon c'est des questions que nous ka mettre dans même panier. Là ça n'a pas attaqué à moins que nous même n'a différencier yo pour nous répondre yo et séparément si nous devons répondre. OK d'abord on capable dire qui ça qui fondamental dans plan éducation. D'abord me dit que un gouvernement progressiste qui prend pouvoir en énergie de gouvernement progressiste pour aujourd'hui. Pour les bagages, maintenant, de le faire, conseil pour le faire, c'est que c'est retirer influence, retirer contrôle. La France mettait sous ministère, retirer la même. Mettre dehors dans le ministère, récupérer le ministère qui est pour nous qu'on y a là. Maintenant qu'on y a là, le ministère est pour nous qu'on y a. N'a posé problème. Orientation, éducation. Qui éducation nous allons devoir faire qu'on y a là. C'est sûrement nous besoin d'une éducation qui pour décoloniser. Décoloniser mental cerveau haïtien. Et question fondamentale, question pilier, il y a là que nous pourrons mettre pour nous changer bagaille, c'est affaire langue là, ça fait langue là. OK? Langue qui langue n'a fait éducation c'est haïtien. C'est sûr que n'a fait
et quand il haïtien vraiment la langue créole, langue mamale. OK, langue mamale. Et pas pour ça qui pour Vietnam, c'est seul côté, c'est seul pays d'abord ancienne colonie française qui gagne un taux alphabet élevé parce que Vietnam après français était finalé, il était fait éducation en vietnamien. OK, c'est l'ancienne colonie française qui pire haut la fait éducation. Donc éducation en langue créole, langue mamale. Et je dis à côté de l'anglais à l'avenir là, nous t'as plus vite choisi une langue étrangère qui c'est anglais pour nous t'as monté ces haïtiens. Parce que je dis c'est seulement moins de 4% connaissance la monde là qui publié en français. Donc son langue qui pauvre la fait connaissance. Je dis nous connais que si nous mettons toute connaissance nous besoin c'est en anglais oui. Donc, faut commencer par haïtien, mettez base en anglais pour haïtien apprendre anglais, pour haïtien capable d'aller connaissance ça yo, puis devant. OK? Les libres dans l'université pour connaître ça. D'ailleurs, nous pas qu'être haïtien en diaspora, haïtien en diaspora qui va plus chercher Haïti. On capable border monde tant que par exemple, ou gagne docteur et défunt docteur Wolf Fouyo qui mouri, ou gagne encore Pierre Aurelius, ou gagne encore Patrice Mibelgarde, ou gagne encore Justice, Pierre Lubin Justice qui va chercher en anglais, ou gagne encore et Michel Degraff, donc où vous Jean Plaisir, donc où vous paquet avec nous là, ouais, donc où vous paquet haïtien là qui sont en diaspora aux États-Unis, parce que bon, pourquoi ça se met parce que haïtien diaspora au gagne Macou, donc tout le monde ça reposé connaissance c'est en anglais à vos yeux et c'est pour Haïti pour connaissance là, et l'autre des monde ça ouais que c'est des pas progressistes qui avait d'Haïti, donc si nous veut faire haïtien étudier bah ça faut nous commencer à préparer haïtien comme langue seconde après créole là était anglais à lui-même plus. Après ça, on a le français avec espagnol là. Donc, parce que ça, c'est fondamental là, c'est ça. Donc, d'abord, l'éducation pour orienter vers la décolonisation mentale de l'haïtien. Ensuite, question langue là. OK? Ensuite, tout gagne ça, question esprit critique là, pensée critique là. Ça, je veux dire, c'est une skill qui gagne pour le 21e siècle là. En pile pays, je veux dire, adopter. Comment vous développez pensée critique la caille. Donc, ça, en gros, c'est ça, moi. Merci, et docteur François. Et avant dernière question, parce que dernière question, c'est et n'a posé lui. Est-ce que vaudouisant patadoué gen propre l'école payo à curriculum payo? Bon, pour souscrire à la question, et alors, je pense que. Moun n'a posé question. Est-ce que posé question la part de Vaudou en tant que culture ou bien en tant que religion? Pas connaît. Faut t'a préciser. L'hyposel est ouvert comme ça, malheureusement, sans aucune forme de précision, même prendre comme ça. Est-ce que Vaudou isan pas d'adoué gè propre l'école yo à curriculum payo? D'abord, je pense que l'éducation haïtienne, 100% haïtienne, je pense que Vaudou a pas un gros rôle pour jouer là-dedans. Et je pense que toute expérience Vaudou, par exemple, toute connaissance Vaudou, n'a pas d'adoué dans l'école là. Et ça me passe que fort et ça que nous parler de éducation de décolonisation, donc ça veut dire que une école haïtienne nous gagne plus connaissance en niveau droit que nous pas l'entrée en dans curriculum de l'école là, ça sont pas qui clair, mais j'ai pas parlé sur là n'a bon état laïque parce que ça il dit que Haïti son pays côté n'a pas retiré aspect religion ba religion en dehors de l'état, n'a bon état laïque 100% laïque côté nous ca et tout monde ca libre pour exercer la religion que depuis religion n'est pas aller à la côte de intérêt pays. Et dernièrement, docteur Isis te fait une conférence pour te montrer que comment qu'a fait religion au travail pour nous. Donc, dans ce sens-là, nous parlons pas avec religion, nous juste besoin de faire religion au travail pour nous. J'ai te dit la conférence. Là. Donc, je pense que l'éducation, oui, si vous voulez, vous allez faire l'école par eux, ils vont vous l'aimer. Mais c'est sûr que nous disons, l'éducation haïtienne a plus de contenu, connaissance, au droit, en dingue, par un ou pas bois. Et je pense que c'est un gore que nous faisons. Même là que haïtien, comme si pas vaudouisant, mais tu as supposé qu'on est qui ça vaudouaille, qu'on est comme si tout ça vaudouaille dedans, juste pour qu'on vive bien en société. Ce sont pas normal. Donc, nous ne pouvons pas perdre ça. Il faut qu'haïtien apprenne qu'on est tout ça gagne dans vaudouaille. Donc, c'est clair, oui, d'accord. Et merci en pile et du même coup tout répondre avec un monde qui te m'a dans qui langue n'a fait éducation yo nous répondre à un monde tout te poser question sous impact religion et n'a fini à dernière question hein n'a excusé tout le monde que nous traîner pied nous parce que car elle a tellement goût que nous
et si nous pas bloquer question t'a joindre toujours. Mon dernière question m'ta aimé poser à nous tous les deux comme co-auteur livre. Le livre de manière très claire mais très bien documentée que nous souligner parce que c'est un livre qui est riche en documentation, en recherche et référence, c'est ça qui pas manqué et donc un bon support pour le travail la fête. L'enralé que fait l'œil au tap instauré sous vidéo et tap légalisé question l'esclavage sous question traite des noirs avec toute menti que te bay avec philosophe des lumières que yo fait nous l'aliénation nous répéter à étudier jusqu'à aujourd'hui. Cependant moi ça qui intéresse moi dans présentation hein. Le n'ap gardon l'Afrique qui scientifique quand même que n'ap décrit et gain des bagages à l'appui c'est pas décrit n'ap faire et n'a consulté documents, archives, que c'est science métallurgique, que c'est science astronomique avec des calculs assez sophistiqués, que c'est système d'écriture, que c'est système navigation, que c'est agronomie quand même, que c'est médecine et technologie, n'a parlé d'Égyptien, que c'est mathématiques. Nous, quand Imhotep nous a présenté tout à l'heure, et c'était extraordinairement bien fait, mais nous avons une question. Qu'est-ce qui explique déclin qui s'est favorisé parce que nous avons l'impression que il fait un petit crasse facile qui s'est favorisé déclin l'Afrique scientifique ça parce que m'a posé question en tant que parent et en tant que bon gens descendant africain qui s'est expliqué déclin Afrique scientifique ça Afrique sophistiquée ça pour venir tomber jodia l'Afrique Afrique qui a difficulté pour le camper et qui gagne pile superstition qui prend place espace scientifique ça te caractérise. Donc la parole pour nous et n'a tout prend ça comme mot de la fin. On commence par avoir OK. OK. D'abord avant juste avant bon nous on remercie tout le monde qui suit nous et qui encourage nous et qui pose des questions et qui participe dans donc ça fait un peu plaisir. Et moi tout avoir faire tout la communauté avec et organisation là parce que ça fait optimiste ça fait que moi j'ai un peu d'encouragement donc parce que on équipe avec vous donc parce que équipe la fin là donc c'est pour aller de l'avant parce que vraiment travail là parce que travail là est difficile est long même parce que on a pas résultat quand même dans année qui va venir et moi voulais tout grand sœur tout qui là Nikita moi que lui très active sur réseau yo et li tout participer dans l'échange joli là et m'ta souhaiter que nous encourager tout n'a pas l'autre et nous même rapprocher force nous parce que nous tient encore gaillé et parce que nous tout à fait même travail donc c'est pour essayer plus par le bras comme si pour nous travailler ensemble ça la bon pour nous et maintenant dès qu'on a préparé le docteur juste question ça tout on a demandé monsieur me dit monsieur ça fait bah l'Afrique comme si que ça arrivait nous comme ça et je pense que monsieur téléphone il dit monsieur bon le regard de la planète là où est que européens yo arrivé dominer coloniser 3/4 planète là d'ailleurs ça fait y aurait les postcolonialistes là y aurait les plus continents avec plus continents avec l'Afrique l'Asie et l'Amérique trois continents ça. Maintenant, l'on garde les bases, on garde nous que c'est sur trois continents ça, ok? Toutes ressources planète là, chita, ok? C'est la grande ressource planète là. Et donc d'ailleurs, c'est fait comme ça, je dis ça. Je dis que l'homme doit vivre d'un côté, doit vivre d'un côté, où il a tout son besoin, n'est-ce pas? Où il a tout son besoin, ou heureux, ou confortable, où senti à l'aise, ou pas de problème pour rien, ou pas manquer rien, où il a tout bagage net. Donc gagne un esprit d'agap dit gagne un bon niveau d'agressivité que on va développer la caillou bon niveau de bon sentiment de défense que on va gagner parce qu'on tellement à l'aise ou confortable de toute bagarre donc on pense que est-ce que ça arrivé majorité planète là quand même nous avec tout ça besoin tout ce que tu gagne et tu es à l'aise d'ailleurs ouais que tout ça que européen pour l'utiliser pour faire conquête pour faire pour dominer le monde c'est qu'on a gagné déjà l'anticontinent. Ouais, on a parlé de la poudre à canon, on a parlé de navigation, système de navigation, boussole, tout ça, c'est qu'on a gagné déjà.
c'est eux-mêmes qui ont utilisé, eux-mêmes qui sont agressifs pour faire colonisation. Donc, pour tellement confortable, tellement à l'aise, nous n'avons pas rien, ça fait que nous sommes décédés. Donc, moi, je pense que c'est ça, le docteur a insisté, fais-moi ça, et je pense que ça, l'illogique, l'illogique. Oui, et merci, docteur Ozo. Et non seulement nous baisser garde nous, et pour nous connaître tous les colonisateurs, au commencement, les apparaissent en côté, ils apparaissent avec missionnaires, ils apparaissent en amis. C'est un coup, même les c'était louyoyé, mais ils mettaient pour mouton. Et le fait que nous, dans le continent, tant que l'Asie, l'Afrique, les Amériques, nous avons gagné bagaille en abondance, ils ont développé une mentalité, ils ont aimé étranger. Mais ils ont fait côté que ils ont invité même, au contraire, tout le monde est venu, venu partager avec nous. Mais par contre, les colonisateurs, ils ont gagné un plan, ils ont un plan caché. Donc, ils ont parlé à missionnaire, après ça, ils ont parlé avec gros amis, mais missionnaire à ZAM, même gros âmes, gros amis, ils pas passé. C'est ça qui fait, depuis un dérapement, ils ont commencé le processus pour falsifier conscience, mon sale, que ancêtres nous yo quoi et ça que yo utilisé c'est et entre guillemets éducation que nous mêmes nous relais mal éducation. Donc prend le cas d'Haïti, nous joignent que en 1825 la France pral boyer en dit Gaspard Théodore Molière qui pour aller étudier qui meilleure façon pour la France récoloniser Haïti. Et même Gaspard Théodore Molière, ça lui a dit la France, en dehors de bagaille, en créer l'école pour élite, en falsifier conscience. Parce que la France a réalisé que gros âme n'est pas assez pour les coloniser et pour qu'il y ait peur en esclavage, faut que ou prend cerveau, faut que vous prenez l'horloge là, et meilleure façon pour prendre cerveau yon peuple, c'est utiliser instrument que y aurait l'éducation, mais en réalité qui c'est mal éducation. Donc, nous qu'a dit que depuis Africain, li mette pied nan colonie Saint-Domingue là, yo commencé processus ou yon prend cerveau. C'est ça qu'on a dit. Quand on parle États-Unis, ou bien l'Afrique, ou bien en Haïti, Canada, l'école noire là, li commence dans la plantation. Côté que y a intentionnellement falsifié conscience. Donc, Afrique, que nous t'avons bâti grand édifice ça, c'est nous qui introduit le monde à mathématiques avec la médecine, science navigation, métallurgie, quel que soit l'abdiment. Mais cependant, je dis à nous que haïtiens hein, ou bien africains qui vivent en Haïti, hein, même on épingle si tête que le pas qu'a fait pour que ni attacher coucher si bébé. Donc, qui s'est passé nous là? C'est que ils ont utilisé ça que y aurait l'école pour falsifier conscience noire là, quel que soit on parle en Afrique ou bien dans les Amériques. Donc, c'est ça qui passait nous. Donc, dans ce sens, c'est la meilleure façon que moi te ka ajouter sur ça, docteur Ozlo partagé avec. Merci infiniment et docteur Lubin, merci docteur Roselor, n'a obligé docteur François, n'a obligé mettre fin aussi gros que ça est
et nous bay moun rendez-vous 6h 8h mais nous 8h33 et Jean nous toujours fait la dernière ligne droite docteur François t'a fait et ou mot cela donne déjà comme mot de la fin la salle table comme recommandation nous pensons que nous prenons note de ça tout et c'est notre travail nous bay tête nous c'est essayer établir des passerelles de communication entre différentes compétences différents monde qui impliquaient tout la réalité et la causer et c'est ouais qui gens nous ca changer réalité communauté. Jean nous toujours fait lance un rituel lié n'a quitté et espace là-bas conférencier nous yo en très peu de mots pour nous voyer moun yo aller en bay mot de la fin hein, ou gagner 50 oreilles qui coûter nous là et pour le moment et en bay près mot de la fin là même. Pendant que nous nous merci là nom Haïti direction à tout monde qui t'a écouté yo qui mot de la fin qui dernier monde qu'a dire. Oui, d'abord, m'a dit encore l'autre fois, encore merci à Haïti Education pour belle initiative ça, pour genre d'activité ça, activité intellectuelle, académique, qui vraiment café communauté à bien. Et m'a dit encore merci à tout le monde qui participe là, tout le monde qui est là. Ok, d'abord, je remercie Madame Moutou, parce que derrière tout le grand homme, tout le grand femme, ouais, donc. Alors, moi-même, moi très optimiste, moi très positif, ouais, parce que ouais, mon espoir, parce que d'abord, mon pédagogie critique, l'espoir tout va venir, l'espoir tout va habiter, moi, mais l'espoir que la communauté n'a pas changé. Et je pense que donc, livre ça que nous créons comme tout son mouvement pour vous dire, vous faites un mouvement. Donc, je suis content de ce que moi, que nous supportons, nous appuyons pour faire mouvement avancer. Donc, je demande nous encore pour nous mettre main ensemble, collaborer nous à l'autre. Et mettre ensemble, faire programme ensemble, faire activité ensemble pour nous avancer plus vite et plus bien. OK? Et encore, moi, juste si tu dis que vous avez une présentation sur Desalines. Définitivement. Oui, je pense à ça. Je pense que vous avez préparé. Donc, je pense que vous avez une vidéo, donc vous avez regardé ça. Je vais ouvrir la parenthèse là pour me dire que, et en général ou est moi-même ou bien madame moi en devant scène là pour nous régler ça mais c'est job ça que nous gagnons mais nous gagnons l'autre Dieu qui là sous groupe là qui a regardé qui ça a déroulé comme tout membre équipe Haïti et du action et le fait que nous connaissons va venir et particulièrement en septembre là mois naissance là pour parce que nous pas de célébrer la mort et nous m'a dit que gagnons membre Haïti et du action qui là qui a regardé dans l'homme qui sont grands, mais un grand fanatique et non seulement travail là, et un potomite en travail là, mais un bon ami là pour tout, qui est trop content et accueilli et présentation qui a fait sous l'emploi et qui a venu dans le mois de septembre. Je souhaite que tu aies parlé, je ne peux pas date là avec vous. Ce n'est pas le dépendre de date, ce n'est pas le date pas nous. Et nous disons merci déjà pour l'engagement public qu'on prend avec nous. Oui, d'abord, faut me dire tout que nous équipe MPP à tout, nous la occasion 14-15 août là, on a préparé une vidéo sur Bagayima. Donc très bientôt on a mettre en ligne donc on a mis de tenir pour tout les gars. Donc je pense que laisse à tout ma plateau et en septembre moi c'est on devait là ma plate, docteur ici ça plat parce que docteur ici c'est moi-même de ça mais docteur ici sur là comme c'est pas et de ça et tout, il y a perspective partout moi comme c'est moi et gars une balle avec moi. Il fait moi one by one, il fait moi donc tape la somme et ma présentation et puis on fait discussion. Donc encore merci, merci encore pour nous-mêmes. Papa c'est docteur Sian même vous dire moi. Oui, et m'a pas trop long, m'a simplement encore aussi pour moi dou chapeau bas, moi remercie avec madame ou Nadège et m'a dit que moi connais et moi-même moi c'est un monde qui bénéficie de ça en pile. Derrière tout grand homme, toujours gagné yon grand femme à côté. Pas ni devant, ni derrière, mais à côté. Et moi-même, moi sentiment heureux que moi toujours gagné madame moi, Manze Elida, qui à côté, quelle que soit l'initiative que m'apprend. Et qu'on sait tout que moi à côté, quelle que soit l'initiative que y apprend. Et moi remercie toute équipe Haïti Education. Ou belle initiative ça et c'est ça lié travail là en pile travail là li difficile mais comme dans proverbe là li dit mais en pile chaille pas loup et m'a remercier tout monde qui t'a participé
et qui te fait nous honneur ça dans un jour dimanche qui quitte l'autre bagaille que yo te gen droit à faire mais yo vinn ba nous attention yo avec écoute nous donc nous dit mille merci mille chapeau bas nous remercions et nous assurons yon bagaille n'a continuer travail du pour peuple haïtien parce que nous remercions peuple haïtien et nous bon garantie n'a toujours rester dans bon bois et n'attendre toute collaboration positive parce que c'est ça nous est. Merci en pile nous remercions. Merci sous notre ça n'a dit tout le monde merci en pile sauf que aucun livre ça que nous recommander tout le monde non et bien n'a bien quelques exemplaires sous peu et au niveau de Haïti et du action cap vini et mais cependant nous tout dit tout le monde tout que aucun livre ça tout est disponible sous format papier et électronique sur Amazon tout et son lecture sous fait il pas capable interpeller il pas capable former tout face à propre tête pas comme frère aîné comme parent comme descendant africain comme haïtien merci encore merci docteur Lubin merci docteur François et à la prochaine bye bye tout le monde. Merci. Bye bye. Nous aimons nous. Merci beaucoup. Merci. One love. Thank you.